Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un homme de loi, Paul Bédard, garde forestier, forest ranger en anglais, qui était dans le, après 30 ans de service, a pris sa retraite dans le Nouveau-Brunswick. Alors bonjour Paul. Bonjour Kevin. Comment ça va? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement particulier sur lequel tu as enquêté. Et déjà, on va revenir sur ta carrière. Comment es-tu devenu garde forestier? Qu'est-ce qui t'en a donné l'envie? Oh, eh bien, au tout début, je voulais être policier. Et puis, par la façon des choses. Ensuite, je voulais être électricien. Et puis là, finalement, je rebondis comme garde forestier. J'ai été dans plusieurs directions. Et puis, c'est la direction-là qui m'a appelé. Les événements ont fait que j'ai été à l'école des gardes forestiers. Puis, l'école des gardes forestiers se trouvait à Bathurst, qui était tout près. Donc, ça a été tout. Je n'avais pas besoin de m'exiler quelque part d'autre. Tu sais, c'était vraiment près de ma résidence. J'ai fait des études. Et puis, on a gradué comme on appelait ça l'école des gardes forestiers. Là, maintenant, ça a changé de nom, là. Mais c'était l'école des gardes forestiers. Donc, on graduait comme technicien forestier. Et puis, lorsqu'on appliquait pour le gouvernement, bien, le poste était de garde forestier. Alors, lorsque j'ai D'accord. appliqué pour le gouvernement, j'ai été admis comme garde forestier. Est-ce que ça dépend du fédéral? Non, ça dépend du provincial. Du provincial. OK. Oui. Il y a une autre section fédérale, mais nous, c'est le provincial, donc c'est la grandeur du province du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, petite anecdote, pour toi, Kevin, j'ai revêti mon uniforme d'antan. OK. Très, très Et bel uniforme. qui est décommissionné maintenant, qui n'existe plus. OK. J'en avais gardé une copie tout simplement, des fois pour les parties de retraite ou pour les jeunes, disons, qui n'ont jamais vu cet uniforme-là. Mais tu sais, comme tu peux voir ici, c'est la badge du Nouveau-Brunswick, la province du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick. OK. Et ici, vous marquez bien garde forestier et forest ranger. On est d'une province bilingue, français-anglais, donc il faut qu'on communique dans Comme les deux partout langues. au Mais Canada. ça, c'est mon uniforme original que j'avais en 1988, lorsque j'ai débuté 1987, 1987, là, que j'avais là en plus durant ma carrière, disons. J'ai été, ça m'a apporté dans une spécialité. La spécialité était maître chien. Voilà, c'est ce que je voulais te demander ta spécialité. Voilà, spécialité maître chien. Oui, moi, je me suis, disons, au début, la garde forestière, il fait tout en forêt. Dans les années 80, là, on fait tout. On fait tout, on touche à tout, on peut être plombier, électricien, on peut être n'importe quoi, on a des camps à s'occuper, on a un paquet de choses, on est multifonctionnel, là, tu sais, là, complètement dans toutes sortes de choses, on est impliqué dans toutes sortes de choses. Les feux de forêt, évidemment, faisaient partie une grosse partie, Évidemment. ouais. Moi, disons, au fil des années, bien, je me suis spécialisé dans l'application des lois. Ce qu'on appelle D'accord. en anglais comme du law enforcement, là, qui était donc contre les braconniers ou ceux, C'est disons, qui ça. allaient contre la loi. Tu Le sais. Ça, décompte des animaux et la lutte contre les braconniers, c'est ça? exactement. Le pilleur de OK. forêt et tout, on a des vols de bois, puis ben, il faut qu'on renforce la loi sur l'environnement. La loi, là, plusieurs lois là, à renforcer. Donc, on est les policiers de la forêt, en autre mot. T'sais. Mais plus on est des gardes forestiers, donc on fait vraiment tout. C'est vraiment vaste comme responsabilité. Mais au fil des années, disons, ça m'a apporté en tant que dans l'application des lois, donc les enquêtes. Et puis de ça, eh bien, j'ai été
disons, dans la direction, dans la spécialité, j'étais un spécialiste à maître chien. D'accord. L'unité canine. Excuse-moi de te couper. Oh oui, vas-y. Est-ce que vous êtes armé pour les gens qui ne connaissent pas? Oh oui. On est Oui. complètement OK. armé avec une arme de poing, la veste anti-balle, le bâton, le poivre de Cayenne, les menottes, tout. Au début, j'étais pas mal. Au début, non, mais éventuellement, c'était tellement dangereux. Ça a devenu tellement dangereux à forêt qu'il n'y avait pas autre choix, disons, de nous armer, parce que là, ça amenait une confrontation. Les braconniers venaient de plus en plus violents. Et puis là, on est obligé de s'équilibrer, disons, pour pouvoir faire face à la menace. Donc, on suit des formations d'application des lois, puis de tout ça, ça a venu comme progressiste, là, mais Usage de la force, etc. exactement. Parce que, OK. disons, en forêt, il faut qu'on met en relation aux gens que c'était avant l'ère des téléphones cellulaires et de la radiocommunication était défaillante, disons. Donc, on se retrouverait parfois complètement seul, avec aucune communication, dans des endroits isolés. Donc, le risque était très élevé, OK. comme garde forestier. Donc, raconte-nous ta spécialité canine que tu voulais développer tout à l'heure. Ah, oui, exactement. Donc, moi, il y a une opportunité qui s'est ouverte avec toute une amalgame, disons, on était venu à avoir besoin d'un chien pour OK. le pistage, pour retrouver des articles, que ce soit retrouver des gens perdus, où on était rendu à cette étape-là, et le nord du Nouveau-Brunswick, qui était la section, disons, la plus occupée de la province, n'en avait pas. Donc, on fallait qu'on faisait affaire avec des maîtres chiens qui étaient un peu distants, disons, puis ça prenait le facteur temps avant qu'ils viennent, avant que ça y arrive. Donc, ils ont décidé d'établir des maîtres chiens dans ma région. Et c'est moi qui ai eu la position. Et donc, j'ai suivi une formation comme maître chien avec des services policiers plusieurs semaines. Et donc, lorsque je suis arrivé, ben, j'ai tombé en fonction comme maître chien spécialiste pour la région du nord du Nouveau-Brunswick, qui couvrait aussi, on offrait les services aussi aux corps policiers, que ce soit municipaux ou la gendarmerie royale du Canada aussi. Le département de dépêche, il y a plusieurs corps policiers, là, disons, Oui. tout le monde qui avait besoin du maître chien, disons, me contactait. Parfait, c'est excellent ça. De par ça, justement, ben, j'ai été impliqué dans, disons, j'ai eu une carrière fascinante, exceptionnelle, disons, et puis, rempli de défis de divers horizons. Ça peut être d'une personne qui est perdue, d'un homicide, de meurtre, des cas de braconnage amplement, des vols à main armée. J'étais impliqué dans tout. Parce que vous voyez à la OK. télévision des fois, là, ben c'est ça. Okay. Oui, Ce serait oui, pour moi de tout expliquer, là, vous pouvez voir oui. ça à la télévision. Oui, Hein. il y a énormément de tâches concernant les gardes forestiers et puis qui font partie des forces de l'ordre, du law enforcement. Et puis un jour, lors de ton travail, tu as été. Comme interpellé par une personne ou par plusieurs témoins, c'est ça, qui avait pris en photo quelque chose de paranormal. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cet événement est venu à toi? Oui, on recule, on est un peu comme de retour vers le futur. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis mon uniforme un peu justement pour faire le thème de retour vers le futur, parce que là, on recule de 30 ans. Donc, on fait C'est un ça. bond à l'arrière. Donc, l'histoire, c'est un peu, disons, un mélange de la guerre des étoiles avec Star Trek. Les missions impossibles. Je pourrais le résumer dans ces Surtout, surtout Mission Impossible.
Oui, Ouais, c'était absolument c'est affreux là. surtout c'est ça. Donc, j'en profite de ce que tu vas raconter. C'est en tant qu'homme de loi, c'est en tant que de ton point de vue à toi, des éléments que tu as pu récolter toi. Et en aucun cas, on essaye de convaincre personne. Chacun se fait sa propre idée de dire si c'est vrai, si c'est faux. Écoutez, ça, on est là pour convaincre personne. Nous, on est là pour apporter les faits. Donc, je te laisse raconter comment c'est venu à tout ça. Je te poserai des questions de toute façon d'instinct, et puis j'en ai d'autres en tête. Et puis voilà, je te laisse dérouler. Je tenais juste à préciser cette partie-là parce que c'est sûr qu'il y aura des réflexions et des remarques. Voilà. Vas-y, Paul, merci. Absolument, absolument, Kevin, je suis conscient que ceci va, mon témoignage va apporter, disons, de la négativité, puis toutes sortes de commentaires que j'ai pas besoin d'entendre, mais que je suis conscient que de par le fait que juste le sujet OVNI est contesté et puis est tabou, vous pouvez vous imaginez 30 ans passés, qu'est-ce que j'ai fait face, on ne pouvait même pas mentionner ces mots-là. Donc il y a 30 ans exactement, c'était en quelle année? Quand tu dis 30 ans, c'est en quelle année? Au début des années 90. Mais Ah donc. l'événement même, l'événement que je vais vous relater, c'est le 27 octobre 1989. Dans 89. l'après-midi. Oui, dans l'après-midi, ça c'est la date exacte. Donc ça va faire 35 ans cette année, c'est ça? OK. Je compte plus les années. Non, mais pour remettre un peu dans le contexte des gens, qu'il y a 35 ans, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Comme les Oh oui. technologies, comme pas mal de choses, mais on y reviendra après. Absolument. Tu vois-tu, moi, la manière que je compare ça pour mettre en contexte les gens, disons, ça peut faire mal un peu, là, mais disons. C'est juste un dossier parallèle. Les abus de prêtres et la pédophilie. Alors, dans ces années-là, ça n'existait pas. Entre guillemets. Okay? Donc, le domaine UFO était parallèle à ça. Disons, dans la même façon, ça n'existe Ouais. pas. Non, tu Ok. comprends-tu là? Je Donc. comprends complètement ce que tu veux dire. C'est que on se fermait les Et yeux voilà. pour pas voir ce qu'il y avait. Ok. Et voilà. Et je faisais Le partie déni. de cette gang-là aussi dans le domaine ufologique. J'y connaissais rien dans les années 90. Quand je vous dis rien, c'est rien. On savait que, tu sais, oui, il y a des ovnis et tout ça, là, mais c'était pas une spécialité. J'étais pas, garde forestier. C'était pas mon domaine, moi, là, les ovnis. Tu sais, là, c'est le domaine de l'armée, des autres intelligences. Mais pas nous, on n'était pas briefés là-dessus. On n'avait aucune connaissance dans ce domaine-là. Et puis, justement, au début des années 90, il y a une tierce personne de confiance qui vient à moi et qui dit, Paul, il dit, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose en forêt. Moi, je suis enquêteur. Ma formation est enquêteur, ma spécialité est enquêteur. Et je suis extrêmement occupé à titre de maître chien. Donc, là, il dit, il a vu un ovni. Ma première réaction était, ben, sorry, ben, c'est pas mon domaine. Tu sais, là, j'y connais rien, là. Sorry. Ben, il voudrait que ça viendrait à toi. Il dit, et peux-tu le prouver? Parce que nous, comme agents de la paix, disons, Oui, c'est agents, ça. on va avec On a les besoin de évidences, preuves. les faits, C'est ça. les témoignages. Tu sais, c'est là-dessus. Moi, je dis, c'est ça que je fais aujourd'hui, d'ailleurs. Je jure de dire la vérité, là. Ça fait 30 ans que je dis, jure de dire la vérité, là. Parce qu'on va en procès, en cours, on dit la vérité. C'est Donc, ça. je suis, disons, mentalement guéri pour dire la vérité. Donc, parce que je sais que compter le mensonge, ça fait pas Voilà. partie de, ça fait Et pas partie en de plus, nous. toi, tu n'as aucun intérêt, ne serait-ce que t'attirer des ennuis, à raconter ça.
Définitivement. Voilà, exactement. Définitivement, c'est de la souffrance, disons, je préfère la souffrance psychologique, disons, donc, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, il faut que je partage la connaissance. Et Et oui, c'est et à c'est ce important. niveau-là, oui, et c'est Très, à ce très, très niveau-là que je important. le fais. Okay, je le fais pour partager ceci, c'est de poser sur ma carrière, disons, sur mon chemin. Donc, moi, je fais toujours le mieux que je peux au moment présent, si tu veux, avec les capacités que j'ai, les connaissances, l'expérience. Mais en OVNI, c'était pas mon domaine. Donc, à ce moment-là, ben, là, vous comprenez que moi, je suis à peine, on a des pagers dans le temps. Puis, là, j'ai pas le temps, sorry, là, j'ai pas le temps. Là, ça a pris plusieurs semaines avant qu'on... Mais finalement, cette tierce personne-là, il dit, Paul, j'ai les photos. OK, peux-tu les voir? Donc, il me montre trois photos. Oh. C'est à ce moment-là que, après feedback ou après réflexion, que ma vie a bousculé. Ok. Et ces photos-là, comment sont venues dans les mains du témoin? C'est lui qui les a pris en photo ou c'est un ami, une connaissance? Non, 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 c'est lui-même, c'est des témoins qui étaient sur la scène qui ont réussi à prendre des photos. Ok. Donc, est-ce que l'objet s'est laissé prendre en photo? Où ça a été parce que la question aussi qui se pose, c'est comment ça se fait qu'à ce moment-là, il a fait que ces personnes-là aient un appareil photo entre les mains. Est-ce que tu comprends est-ce qu'il y a eu quelque chose de précurseur avant pour qu'ils se disent, cette fois, il faut que je l'attrape, il faut que j'ai une preuve dans les mains. Est-ce qu'il y a eu un événement avant qui a fait que ils savaient qu'il y avait ce phénomène-là dans les parages? Non, pas du tout. Ces OK. gens-là étaient simplement, il y avait une gang qui était à la chasse. Et puis, dans ce temps-là, c'était commun. Tout le monde avait des petits appareils photographiques. Et donc, c'était commun dans toutes les centaines de personnes qu'on a vu, que OK. j'ai vu. C'était commun que tout le monde amenait un Kodak, qu'on appelait ça dans le temps, c'était C'est un ça, un Kodak Kodak. jetable, là. Oui. Pour cet événement-là, oui, ça a été pris avec Que un tu fais crac, crac, crac avec la petite roulette, là. OK. Oui, et puis tu donnes le Kodak à la femme, comme C'est toi ça, tu le fais à la femme. négatif, la pellicule, le Oui, tout négatif au ensemble. photographe, etc. Ouais, OK. Et tu donnes ça comme nous, c'était à la pharmacie, on amenait ça à la pharmacie pour faire développer, eux envoyaient ça à l'extérieur, puis une couple de jours, là, une couple de semaines, et après ça, tes photos revenaient comme c'était vraiment les petits Kodak, après ça, Oui, oui. des petits Kodak qui étaient jetables, là, tu sais. Donc, c'est avec ça qu'un des témoins, disons, avait pris des photos et que moi, dans tout ce processus-là, ben, j'ai eu trois photos. Mais à l'époque, j'avais seulement les photos. Comme j'ai C'est juste eu les ça. trois photos. Et moi, la première réflexe que j'ai pris, c'est que j'ai fait des photocopies. Parce que la personne voulait avoir ses photos. OK. Regarde, moi, je fais des photocopies. Boum, 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 mets ça dans ma filière. Je regarde ça. Oh. C'était pas mon domaine du tout. J'y connaissais rien. Donc, j'ai dit, c'est l'armée qui s'occupe pas de ça ou une autre branche. C'est pas nous, tu sais, là. Donc, c'est pour ça que ça a resté en dormance dans ma filière au bureau pendant 20 ans. Environ, là, tu sais, je guess sur les années, là, mais c'est 20 ans, 25 ans, je sais pas. Et puis, juste, jusqu'à temps que je retombe sur ces photos-là, que moi, j'avais comme oublié ça, parce que ma carrière était quand même intensive, là, et puis, il fallait que je me concentre, j'avais besoin de ma concentration à tout moment, donc ça, c'était là, c'était classé, j'y touche pas, et puis, j'oublie ça. C'est dans les OK. oubliettes qu'on dit. J'ai mis quelque chose de ça dans les oubliettes. Parce que c'est un sujet que je peux pas parler, oui. C'est un sujet que personne n'est Et ouvert. cet événement-là, ces photos ont été prises donc le 27 octobre 1989. C'est à cette date-là où ça a été pris quelques jours avant cette date où tu les as eues dans les mains.
C'était combien de temps s'est passé en fait au moment où ils ont pris les photos et au moment où ils te les ont remis dans les mains? Quelques années, là, 3, 4 ans peut-être. Il s'est passé 4 ans, c'est ça, à peu près? Envie, regarde, on va faire parce que Environ. je me souviens pas exactement dans le moment que OK. l'année exacte que j'ai eu. Au début des années, l'événement est arrivé en 89, donc tu sais, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, après, je pourrais OK. pas le dire exactement. OK. Puis c'est à ce moment-là, comme tu dis, moi, c'est pas mon domaine, donc j'ai d'autres choses, okay? J'ai d'autres priorités qui rentrent. Puis donc, j'ai aucunement fait attention à cela, malgré que lorsqu'on parle des photos, il faut bien s'entendre que faire un petit Back to the Future. En 89, une photo, c'était une photo. Il n'y avait pas d'autre option, là. Oui. Il y avait pas pour nous en tout cas, peut-être que pour d'autres, je sais pas, mais pour nous, une photo, qu'est-ce qu'on faisait, une enquête, on partageait des photos entre les agents, on savait uniquement bien qu'est-ce qu'une photo avait de l'air, tu sais, là, c'était pas là, maintenant, c'est certainement 35 ans plus tard, oh, ben là, on a Photoshop, là, on a Ouais. Facebook, on a Zoom, on a Zoom Zapzap, L'intelligence artificielle, aujourd'hui, très, très, très difficile de savoir. Même nos absolument. générations, encore nos générations à nous, les trentenaires, on arrive à savoir ce qu'il y avait dans le temps. Mais les générations qui sont maintenant, qui ont 15, 16 ans, 20 ans, ils ont du mal à savoir ce qu'il y avait il y a plus de 30 ans en arrière. Mais je tiens à préciser que, effectivement, pendant mes recherches, quand j'ai analysé les photos, Photoshop existait, figure-toi, en 1988 et en 1989, Ben, mais c'était pas aussi évolué la technologie. On pouvait pas autant modifier les photos qu'on fait actuellement. OK. Voilà. C'est le point que je voulais rajouter. Donc, parce que Ben. ça, dire que Photoshop n'existait pas, ça serait mentir. Oui, ça existait sous une version. Ça existait Oui. sous une version, mais c'était pas autant développé que maintenant où on arrive à faire des choses de folie. Et d'ailleurs, on a des logiciels aujourd'hui qui permettent de voir plus de détails sur les photos d'époque qu'à l'époque. Oui, j'ai pas de doute. Non, c'est nous, dans notre tête, Donc, on était bien sûr, je full comprends. là. C'est là, Je comprends. on D'ailleurs, était. moi, comme tout le monde, et comme tout le monde qui vont voir les photos après en fin d'émission, tout de suite, c'est inévitable. T'as le mental qui fait, non, c'est pas possible. C'est impossible. C'est fake. Mais après, on verra plus tard que il faut comprendre le contexte et pour montrer que il y a des choses, si c'était un fake, qui ne se seraient pas passées. Donc, je te laisse continuer. Oui, Je te laisse absolument. continuer sur voilà, donc une fois que tu as eu ces photos, tu as réouvert le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que d'ailleurs tu réouvres le dossier, que tu te dis, bah tiens, je vais m'y intéresser en temps supplémentaire, finalement, en over. C'était pas pendant ton temps de travail, c'est ça que je veux dire. Non, j'étais au-delà C'est pas de une mon. enquête, c'est pas voilà, c'était pas une enquête officielle. Non, pas du tout. De provincial, ok. Non, j'étais au-delà de mon devoir afin de, comme enquêteur, de mon expertise personnelle, de mes compétences, finalement, de faire le switch. Je dis, ben, écoute, je vais faire une enquête. Je veux savoir, je suis un enquêteur, en tant que, un enquêteur professionnel, tu as une curiosité afin de résoudre les mystères. Chaque enquête est un mystère, tu sais, donc. C'est juste que là, je m'attaque à un domaine tabou. Et puis, oh, là, il faut que je fasse attention à ma réputation, à mon intégrité, ma crédibilité. Donc là, je savais que j'embarquais dans quelque chose d'extrêmement gros. Encore une fois, c'est parce que j'avais des évidences exceptionnelles. Pour... C'est le mot exact. C'est le C'est le mot mot parfait. exact. 3 photos exceptionnelles. Ouais.
disons, qui était à l'époque une malédiction. Complètement. Parce que Complètement. tu t'en parles à tes collègues, tu peux être décrédibilisé, tu peux être pris pour un farfelu. En plus, c'est même pas toi qui a pris la photo. Non, C'est une exactement. personne qui t'a remis ça parce qu'elle avait confiance en toi. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est bien qu'il y a une raison que ça soit arrivé entre tes mains, de toute façon. Possiblement. Mais si que on parle présentement, c'est le fake et le mot populaire, tu sais, là, fake et Oui, Photoshop, c'est le mot c'est le mot populaire. actuel. C'est le mot actuel. Mais pensez-vous royalement que si j'aurais eu un fake, que j'aurais même pensé à pouvoir aller dans cette direction-là, c'était illogique, là, tu sais, c'était complètement illogique. Je savais exactement ce que j'avais dans les mains, mais la seule chose que j'avais, c'est 3 photos et je n'avais aucune autre information à ce moment-là. 3 photos, je prends des photocopies, je classe ça, je savais pas à quel endroit que ça avait eu lieu, je savais rien. OK? Donc, parce que, comme je dis, c'était pas mon domaine. C'est vraiment lorsque le sujet, l'année 2017, peut-être 2016, ou un peu, lorsqu'ils ont relâché les photos là, du pilote américain qui a capté Ah, son c'est en rat 2017. 2017. 2017, bon, ben, ça devait être dans Ouais, tes. c'est Lou Elizondo il me semble, qui a fait le forcing pour pouvoir que ces vidéos-là sortent OK. par le Et puis, Pentagone. donc là, ben, un peu avant ça, disons, là, j'avais retombé sur des photos par hasard, parce que moi, je les avais classées dans ma filière, mais c'était là-bas, comme en arrière de la filière, c'était vraiment creux en arrière. Mais dans un moment-là, c'est là que la curiosité m'a pris. Ben, ben, voyons donc. Là, ben, comme enquêteur, il a fallu que je réétablisse les contacts, et puis que là, je suis 20 ans, 25 ans en arrière, donc, tu sais, et puis à ce moment-là, j'ai dit, oh, un instant, là, j'ai dit, quelque chose qui fonctionne pas, là. Je lui dis, et plus que je n'absorbais, nous, la manière qu'on fonctionne, Kevin, c'est qu'on n'est pas des experts dans tout, tu sais, là. Donc, Oh, c'est ça. on va chercher des experts dans la matière, tu sais, là. Tant qu'agent de la paix, okay, lui, il peut être expert dans un domaine, comme ça peut être dans ce temps-là, il y avait beaucoup de vols de bois, donc on faisait affaire avec un scientifique, disons, qui est un expert pour établir que la souche provenait de l'arbre qui avait été coupé. Ben, ça, c'est un expert qui est reconnu en C'est ça. cours, tout ça. Donc, on va chercher des expertises, tu sais, là, Des un peu partout. géobiologues, etc., etc. N'importe quelle expertise, on va chercher. Moi, j'ai Tout à été fait. reconnu témoin expert en cours, donc je connais le processus. J'ai Parfait. été reconnu témoin expert selon l'appareil judiciaire, en tant que ma spécialité en tant que maître chien. Donc, mon opinion, j'ai comme mon opinion, tu sais, en cours d'un procès judiciaire. Mais un garde forestier qui cherche un expert en OVNI au Nouveau-Brunswick, là, on tombe dans un autre domaine là, moi, je te parle pré-Internet, là. C'est sûr. On n'a pas d'Internet, nous autres, là. C'est On est au sûr. bureau, mais on n'a pas d'Internet, là. On n'a pas de computer, rien. Je pense que la secrétaire avait un petit ordinateur. Bravo, mais c'était vraiment comme le début de tout. Oui, c'était le début du boom informatique. Exactement, tu sais. Donc, Exact. puis là, ben, de par j'ai été essayer d'aller chercher, disons, l'expertise pour moi-même, essayer d'avoir une certaine compétence dans ce domaine-là. Donc, ben, là, j'ai assisté à un séminaire que le MUFON avait organisé. Je crois que les gens qui t'écoutent savent pas mal qu'est-ce qu'est MUFON, là. Oui. C'est le réseau dont je fais partie. C'est le réseau international, les plus grands réseaux internationaux d'OVNI qui enquêtent sur les OVNI. Et ça a commencé aux États-Unis en 1969. Ça a été créé. Et puis
Ça a été par la suite, il y a eu plusieurs chapitres dans plusieurs pays différents, dont le Canada. Et puis, par la suite, il me semble que tu es rentré aussi, que ça fait quelque temps en tant qu'enquêteur certifié au MUFON. Et voilà, tu sais, j'ai suivi une formation d'enquêteur pour le MUFON pour essayer, disons, d'approfondir ma connaissance. Excellent. Par le fait même, j'ai rencontré Travis Walton. Travis Walton, qui était un des Un premiers gros cas que j'ai fait. énorme cas aux Et voilà. États-Unis et en plus Et qui puis. était dans le milieu forestier aussi, puisqu'il était bûcheron. Et voilà, tu as fait ses doigts du cul. Okay? C'est là qu'il y a eu le déclenchement. Okay, là, parce que OK, j'ai acheté oui. son livre. Okay? Puis lorsque j'ai acheté son livre, j'ai lu que les gardes forestiers faisaient partie de la recherche, okay, lorsqu'il était adopté, là, ou lorsqu'il a été pris, là. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez retrouver son film, il me semble que c'est Fear in the Sky, non? Fire in the Sky, oui, c'est Ah, ça. Fire in the Sky, ouais. Skype, c'est tout est disponible sur Internet, tout est gratuit. Exact. Dans les années 90 aussi, le film est sorti, il me semble, aux alentours de 92, 94, quelque chose comme ça. Ça fait que c'est vraiment en lisant le livre de Travers que j'ai dit que les gardes forestiers étaient impliqués dans la recherche. Je me suis transmuté, disons, dans la peau des gardes forestiers à ce temps-là, puis dire, oh non, 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 non. Qu'est-ce que j'aurais fait si ça m'aurait arrivé à moi? Moi, j'avais déjà la connaissance, d'après les évidences que j'avais, que le phénomène était bien réel. Donc, Tout à c'est à ce fait. moment-là que j'ai dit, wow, là, il y a quelque chose qui se passe, là. Travis, je sais que lui qui est arrivé est vraiment véridique. Ensuite de ça, ben, de par mes recherches, je voulais discuter avec un expert dans le domaine, et puis j'ai discuté avec Stanton Friedman. Oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, disons, c'est un physicien. Et puis, il s'est spécialisé, lui, dans les enquêtes, dans ses enquêtes, dans ce domaine-là. Exact. D'ailleurs, paix à Et son lui, âme parce qu'il nous a quittés, il est décédé. oui, absolument. Et puis, disons, lui, il s'est occupé du cas de Roswell, un des premiers personnes Oui, c'est un qui se. très grand ufologue. Ouais, très grand ufologue. Une référence. Une Il a référence. écrit des livres, il a donné des conférences partout dans le monde. Donc, moi, je le considère expert, en tout cas. Puis, tu dis des coïncidences. La coïncidence que j'ai découvert, je l'avais rencontré en Ontario. Et là, j'avais acheté des OK. livres de lui. Mais quand je l'avais rencontré en Ontario, là, j'avais discuté. C'est vraiment après lorsque j'ai fait des recherches, je m'aperçois qu'il demeure ici, au Nouveau-Brunswick. Ah, ça, j'ignorais ça. OK. Ben oui, moi aussi. Ben là, que je reçois ça, je fais commencer à faire mes recherches Internet. Fredericton, Nouveau-Brunswick? Oh non, 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 non. Ça se peut pas que j'ai un des experts, disons, mondial, juste il y a quelques heures de ma résidence. Donc, à ce moment-là, je prends tout simplement le téléphone et puis je l'appelle. Monsieur Stanton était un anglophone. Donc, je lui dis, écoutez, moi, je suis Paul Bédard. Je suis un garde forestier du Nouveau-Brunswick, situé à Bathurst. Je suis impliqué dans une enquête qui est au-delà de mes compétences. Donc, j'aimerais avoir votre expertise concernant mon enquête. Il dit, oui, Paul, viens me rejoindre à ma résidence. Donc, je saute dans mon camion, et puis je vais le rencontrer chez lui. Je lui montre les évidences, je lui dis mon enquête. Lui, il me parle de toutes ses enquêtes. C'est way too much pour moi, là, tu sais, là. J'étais complètement Ouais, t'étais débordé. complètement débordé, là, tu sais, parce que j'étais quand même et j'étais pas mon domaine. Donc, et puis lui, là, un coup que je lui ai tout expliqué ça et tout démontré mes évidences. Lorsque j'avais fini, merci pour votre temps. J'étais sur le perron à l'extérieur. Il dit, Paul! Il me fait signe de venir. Il dit, Paul! Il dit, en anglais, il dit, Your case is bigger than Roswell. Ton cas est plus gros que celui Est de plus gros Roswell. que Roswell. Ben Effectivement. C'est. tu ne veux pas te faire dire ça. Là, tu veux, c'est pas quelque chose que tu sautes dans les airs. Là, tu dis. C'est comme s'il mettrait un énorme poids sur mes épaules. Ben oui, C'est ben moi, ça. je suis juste un petit ranger de batteur.
3 mois, là, tu sais. Donc, par la suite, je me suis senti une responsabilité, disons, envers la population, de divulguer, disons, ces informations-là, mais on est encore dans l'ère tabou. Donc, on ne peut pas discuter de ça avec n'importe qui. Donc, je regarde ça par en dedans, par en dedans, par en dedans, jusqu'à temps, au moment que je pouvais plus. Donc, j'ai décidé de tout mettre ça par écrit, parce que la mémoire, une faculté qui oublie. Et donc, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai réussi à faire un petit livre. Il fallait que je le fasse traduire en anglais puis en français. Et puis, mon but ultime, c'est de l'amener à la bibliothèque publique pour les gens qui se rééduquent sur le sujet. Et C'est donc, une sage décision et oui. c'est très, très, très généreux de ta part. C'est comme, rappelle-nous le nom de ton, le, on le mettra, ton Oui, on livre, mettra le nom de ton les livre. OVNI au Nouveau-Brunswick, et il existe aussi en anglais, c'est ça? Une version Oui, anglophone. exactement. Je la copie anglophone ici. OK, parfait. En respect des deux communautés linguistiques que j'ai Tout à desservies. fait, Okay? exactement. Donc, c'était Les deux important langues pour officielles moi. au Canada. Oui, puis disons, donc, mais c'était de l'important de l'apporter à la bibliothèque publique pour que accès à tout le monde. Okay? Parce que moi, j'avais juste fait 25 copies en français, 25 copies en anglais, puis c'était fini, là, tu sais, là. Ensuite, il y a eu la COVID qui s'est mis là-dedans. Là, moi, je pensais que j'allais mourir sur les. Je vais mourir avec ça. Mais ça n'intéresse personne, ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé, Kevin. Dans l'année-là, il y a eu comme un genre de. Les gens avaient plus de temps à lire ou consulter Ouais, Internet, je ne sais il y a eu aussi un éveil de conscience sur pas mal de choses, sur pas mal de pas. Et sujets. voilà. Et voilà, exactement. Et là, par la suite, là, il y a des stations, on a deux stations radio ici, dans la région, une anglophone, une francophone. Eux m'ont contacté. Ça a été après, justement, la sortie de Louis Alexando. Là, ça a mis sur les journaux. Et puis là, ça commence, Exact. ça fait un genre Ouais, ça a de... commencé, les médias ont un peu commencé à se réveiller aussi. Exactement. Donc, il y avait Comme deux si le animateurs. sujet, qui existe depuis toujours, finalement, il venait de découvrir le sujet en 2017. C'est incroyable. Mais bon. On est vraiment pris dans Comme quoi, hein, une... si le mainstream n'en parle pas, personne ne veut en parler. Donc, c'est incroyable. Mais quelle est la vie, par exemple, de Stanton Friedman? Lui, c'est un petit film, parce que comme je te dis, lui, il a dit que c'était incroyable. C'était vraiment... cet événement-là était plus gros que Roswell. Et lui, selon sa version, lui, c'était quelque chose de scientifique. Là. Il avait vu comme il avait atterri à la mine. Parce que tout a été eu lieu comme au-dessus d'une mine, là, ici. Là. OK. Donc, selon lui, c'était Passionnant. simplement scientifique. Là, c'était, moi, je ne savais pas. Je disais, ben, pourquoi qu'il en atterrit Ces là? êtres-là seraient scientifiques, c'est ça qui t'a dit? Ben, Stanton, Bah, selon son vue, là, oui, là. ça serait son hypothèse. Je pense que c'est Et une hypothèse. c'est une mine de quoi? Ben, il y a plusieurs, disons, minerais là, Minerai, ouais. qui peuvent extraire, qui ont extrait. Là. Et puis, dans le livre, ça le mentionne. Là, ça, c'est des détails que je n'ai pas là, mais c'est une mine là, qui a été en exploitation pour plusieurs années. Puis OK. d'ailleurs, c'est la première mine au monde qui a été détectée par l'électromagnétisme. Donc, une autre coïncidence. C'est un appareil, disons, qu'ils mettent en sous-sol d'un hélicoptère ou d'un avion, puis ça détecte l'électromagnétisme. Et puis, c'est la première mine au monde, selon les informations. Tout ce que je vous dis, moi, est accessible Ouais. selon Les gens, ils iront, s'ils veulent plus d'informations, ils Oui, iront voir. absolument. Absolument, comme tout est Mais là, là, tu c'est un cas, en tout cas, que tu as extrêmement bien documenté. Et puis, on va voir aussi toutes les recherches que tu as faites. Et tu vas nous expliquer ça. Oui, tu sais, j'ai fait comme une enquête, comme je fais des enquêtes, comme j'ai fait des centaines d'enquêtes,
Oui. C'est juste vraiment le sujet qui était tabou. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus simple d'enquêter sur un cas de meurtre que d'enquêter sur un cas d'ufologie. Oui, Que je je peux en comprends. témoigner, puis j'ai fait les deux. Ça fait que définitivement, là, il y a un gros gap complètement irréel, là, disons, extrêmement. Comme j'ai beaucoup de respect pour les chercheurs, pour les enquêteurs comme toi, Kevin, toutes les gens, disons, qui s'intéressent à ce sujet-là, j'ai du respect incroyable parce que c'est un sujet. Pour moi, c'était l'enquête la plus ingrate de ma carrière. Oui, je comprends. Je comprends ta position et en fait, en tant que policier, garde forestier, etc., etc., militaire, c'est des cas que tu ne peux pas avoir à faire. Mais en tant qu'ufologue, c'est des cas que tu rêves d'avoir entre les mains. Oui. Dans l'autre sens. Justement parce que tu veux récupérer plein d'informations et parce que pour ceux qui connaissent un minimum le sujet, peuvent déjà commencer à travailler sur tout ça. Maintenant, reste à savoir si des experts veulent se mouiller. Ah. C'est-à-dire, est-ce que ces experts-là seraient capables de mettre leur réputation en jeu et leur travail en jeu? Voilà. Ça, c'est tout ça qui fait la différence. Parce que si aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de policiers qui voient des choses, il y a énormément de gens dits de loi et autres officiels, hein, de personnes officielles, qui se taisent parce que justement, ils veulent pas être pris pour des fous. Jusqu'à ce que justement, comme toi, tu aies un précurseur, une personne précurseur qui, une fois, ah ben lui, il a parlé, donc moi, je vais parler aussi, j'ai envie de parler aussi. Donc, et ça, c'est l'effet boule de neige. Et c'est justement aussi pour ça que cette chaîne a été créée sur les abductions et qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent d'abduction librement. Parce que ils se reconnaissent aux personnes que je reçois ou des personnes qu'on voit sur YouTube ou autres qui parlent d'abduction. Les langues se délient de plus en plus. De toute façon, on est dans une ère là, 2024, où ça bouge de plus en plus. De toute façon, depuis 2017, ça a poussé les choses. Donc je te... Définitivement. Oui. Et juste en parenthèse, Kevin, j'encourage justement les agents de la paix, les policiers, tous ceux qui sont en forme des agents de loi, disons, okay, de ne pas avoir peur et de sortir. Mais il faut quand même considérer que eux, tout le monde est pris dans un système. Okay, là, on est tous Tout à pris dans fait. un système et on ne peut pas aller au-delà de la personne qui est au-dessus de nous, là. Parce que là, C'est ça. on se crée, là, on rentre dans un paradigme de réprimande et de chicane et de là, ça devient un environnement de travail toxique, cause que nous, on veut dire la vérité, mais qu'en haut, ils veulent pas que la vérité sorte. Donc, Oui, parce qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux autres que sécuritaire d'une part, oui. de la sécurité nationale, il y a des enjeux politiques, forcément. Donc, pour pas bousculer les gens, ça aussi bouscule les religions. Donc, Absolument. C'est ça bouscule tout. ça bouscule tout, en fait. Ce sujet-là bouscule tous les dogmes, tous les paradigmes, toutes les croyances, tout ça. Ça bouscule tout ça. Donc, on va C'est avancer comme sur le sujet. comme tu dis, Kevin, comme les évidences que moi j'étais confronté, c'est une malédiction. Il n'y a pas autre mot. Il n'y a pas autre mot, OK? Une malédiction. Jusque la période vient que la malédiction tourne, OK, en un cadeau incroyable pour l'humanité. Oui, parce que sûrement. Et j'en suis sûr que ceux qui verront, si un jour cette vidéo reste sur Internet et qu'elle se perd sur Internet, qu'il y a des gens qui, dans 30 ans ou dans, ne serait-ce que peut-être dans 10 ans, déjà on aurait fait un autre bond et qui entendront ton témoignage, c'est comme
comprendrons plus de choses parce qu'on aura compris plus de choses. Aujourd'hui, ça peut paraître dingue pour certaines personnes, mais ça sera peut-être banal dans quelques années. Donc, Oui. Voilà. Donc, c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale, il est important d'entendre les personnes qui ont été déportées, les personnes qui ont vécu la guerre, pour plus que ça se reproduise et pour comprendre mieux le phénomène qui s'est passé à cette époque-là. Donc, pas que ça se reproduise. Et aujourd'hui, tu dois parler de cet événement-là, justement, pas pour pas que ça se reproduise, parce que ça se reproduira, mais pour que il y ait un maximum de connaissances et pour dire que c'est pas d'aujourd'hui, c'est même pas non plus de 1989, cet événement-là. Il y a des choses qui se passent depuis bien avant que ça, puisqu'en plus, dans le Nouveau-Brunswick, il y a un autre gros cas qui est Chagarbo. C'est ça? En Nouvelle-Écosse, oui. En Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, excuse-moi. C'est en Nouvelle-Écosse, oui, c'est le côté Est, mais c'est la Nouvelle-Écosse. Il y a un gros cas. Et en plus, quelques temps plus tard, donc c'était en 89, donc au 90, je reviens toujours pareil, au 7 novembre 90, où il y a l'OVNI de la passe Bonaventure, qui est un autre énorme cas. Et pour moi, le tien devrait être aussi connu que celui de ma bonne aventure. Parce que, justement, c'est encore pareil. La GRC, les policiers ont été confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui est resté entre presque quatre heures sur place, et qui même aujourd'hui, on a du mal à faire parler les témoins pour des raisons qu'on a déjà expliquées pour des multiples menaces, etc. Et voilà, mais ça donc on va avancer sur tes investigations. Qu'est-ce que tu as fait? Comment, une fois que tu as, on va dire que tu as retrouvé, enfin, tes photos, que tu as dit tiens, je vais enquêter, donc qu'est-ce que tu as entrepris pour pouvoir avoir d'autres preuves, si tu en as eu? C'est exactement ça. Là, j'ai rencontré des témoins qui étaient extrêmement, réticents à parler. Il y avait encore de l'anxiété, de la peur. Depuis de cet événement-là, ben, l'armée, justement, s'est déplacée sur les lieux. Et puis, ont bloqué le périmètre. Ils ont retiré toute la terre. Parce qu'il y a eu deux soucoupes volantes, deux engins spatiaux. Là. Puis, moi, j'ai une vue de la petite, j'ai pas eu les évidences sur l'autre. L'armée, tout été, ils ont retiré le matériel, ils ont tout fait du remblai. Ensuite, comment l'armée a été avisée? C'est cette étape-là que je suis pas certain, parce qu'il y a des témoins par la suite qui ont été placés sur ce qu'on appelle le CIFUSIAC, loi du secret, okay. Je crois, en français, là. OK, donc, sur un contrat de non-divulgation. Oui, exactement. Puis d'autres, parce qu'il y avait trois gangs différents là. C'est là qu'ils sont arrivés, ils ont vu ça, puis ils sont arrivés dans le même petit chemin là, qui est vraiment étroit, qui est vraiment petit, donc c'est tout là. Et puis les témoins ont été rencontrés par la suite. Ils ont eu des réunions ici à Bateau, justement. Un petit centre pour l'armée, là. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Un petit centre pour l'armée, mais ils sont rencontrés là-dedans, puis c'est là que, là, c'est à ce moment-là que l'appareil, disons, gouvernemental, plus ou moins, est rentré dedans. Est rentré dedans, exactement. Pour essayer d'étouffer l'histoire, de faire peur aux témoins, de leur faire signer toutes sortes de documentation, d'installer la peur, ne peuvent pas parler de cet événement-là. Est-ce que tu penses que c'est pour étouffer, ou est-ce que tu penses plutôt que ce serait pour essayer de comprendre le phénomène, si tant est qu'ils ne le connaissent pas? Étouffer. Pour toi, c'est étouffer. OK. Étouffer. Lorsque tu empêches quelqu'un de parler, tu l'étouffes. Il y a aucune autre raison. Okay, là, lorsque tu empêches quelqu'un de parler, parce que tu ne veux pas qu'il parle, donc tu le menaces, tu lui fais signer, tout ça. Là, on est en 89, là.
Ça semble irrélevant, mais en 1989, la mentalité de ce qu'on fait affaire avec ces instances gouvernementales-là, plus haut placées, l'armée ou les autres, là, il y a tellement de compartiments dans l'armée qu'on, moi, je ne suis pas au courant de ça. Là, tu sais, il y a l'intelligence et puis les Oui, il y a sciences. des, il y a des branches, il y a des branches, on va dire, plus ou moins cachées, plus ou moins très secrètes qui ne doivent pas être connues pour justement garder le secret. Et Exactement. ouais, Eux il y a autres. toutes sortes. Une fois que la machine gouvernementale est en marche, Et voilà. c'est très Parce compliqué. que là, Exactement. une gang, c'est pas que ce que l'autre gang font, là. Comprends-tu, là? C'est ça. Puis en C'est plus, comme. des fois, entre chaque branche, il n'y a même pas de communication entre eux. Chacun Non. garde son. Oui. Son secret, finalement. Donc, Exactement. et Si même des toi fois, et. même le Premier ministre ou les présidents ne sont pas au courant de ce qui se passe. Pas du tout. Comme pas du tout. Donc, la branche scientifique qui a été impliquée, c'est le National Research Council. Là, en français, je ne sais pas exactement. C'est le Conseil national de recherche Eux sont au courant. du Canada. S'ils disent le contraire, ce sont des menteurs. Ils sont déjà menteurs, je le sais, là, parce Non, non, que ils ils sont au sont. courant, c'est indéniable. Il y a des documents justement où ils en parlent. Exactement. Donc, s'ils disent qu'ils ne s'occupent plus de ce sujet-là, ce sont des. Ils vous mentent en pleine face. Okay, là? Donc, il faut à ce moment-là, il faut comprendre qu'eux sont payés, là, les scientifiques, là. Entends-tu, là, les scientifiques dans la gang, là, des méchants bons, là. Là, Bien il y a sûr. des bons et pas bons, là. Je Oui, dirais bah, pas bon, pas bon. Je ils se dirais prennent, comme compétent et compétent. le gouvernement s'allie des meilleurs. Ils sont obligés d'avoir les meilleurs pour pouvoir travailler. Ça fait que, tu sais, j'ai du respect pour ces gens-là, là. Tu sais, là, Exactement, oui, non, mais. grand, grand, grand respect, parce qu'ils travaillent souvent dans l'inconnu. Eux aussi essaient de découvrir et de comprendre. C'est des Bien sûr, et puis scientifiques. quand Tu sais, t'as là. pas l'accréditation nécessaire. C'est bloqué à certains endroits, donc même ceux qui te demandent de faire des recherches n'ont pas le droit de te le dire. Donc toi, tu fais comme du travail à l'aveugle. Après, eux, ils ont les résultats, mais souvent, même s'ils ont les résultats de leurs propres recherches, ils ne savent pas sur quoi ça va déboucher derrière et pourquoi ils l'ont fait. C'est le cas au Brésil, comme en 96, justement aussi, de Varginha. Les militaires sont arrivés, ils ont dit, OK, vous allez étudier ces entités-là, mais par contre, vous dites rien. Et s'en est suivi des menaces et des formulaires à remplir pour garder le silence. Donc C'est ça, vrai, c'est puis c'est. dans le milieu ufologique, de toute façon, c'est connu. C'est connu, ça. Oui, c'est nous autres, Et quelque part, c'est normal aussi. Oui. Quelque part, parce que tu peux pas laisser certaines informations entre les mains de certaines personnes non plus. Que déjà d'une, comme on disait tout à l'heure, ça bousculerait tellement de choses que tu peux pas laisser non plus. C'est à la fois compréhensible que tu peux pas laisser non plus les choses. C'est comme pour, tu peux pas tout divulguer non plus mis à part le domaine ufologique, mais c'est sur un crime, sur la façon d'opérer de certains gangs, certains trucs. Tu peux pas non plus le dire publiquement. Donc, je comprends aussi le fait que. Mais ce qu'on reproche surtout, c'est la non-communication sur certains sujets qui n'est pas faite. C'est surtout ça. C'est pas la manière dont tu essaies de garder secret, c'est la communication de ne pas tout dire parce qu'il y a des trucs qui sont secret défense et que ça pourrait mettre en péril la sécurité nationale. C'est correct. Mais Oui. par contre, il pourrait y avoir une communication autre pour pouvoir amener le sujet plus doux. Voilà. Dire que ça existe, déjà, ça soignerait, ça, pas que ça soignerait, ça. Ça apaiserait certaines consciences qui ont vu des choses. Oui, et ça ouvrirait aussi notre conscience, parce Aussi. on cherche la vérité, et on va tout le temps la chercher, la vérité. T'sais. En effet, c'est pour évoluer, on doit évoluer dans la vérité. Donc, Tout à tu fait. sais, moi, le phénomène que j'ai à faire, est-ce que par la suite, avec les compétences que j'ai acquises, là, moi, dans le temps, c'était des extraterrestres, parce que c'est la chose, c'était des petits gris qu'on appelait, là. Tu sais. Moi, je savais pas comment est-ce qu'on appelait ça dans le temps, là, mais après ça, je l'ai su, tu sais, c'est des petits gris. Mais là, est-ce que c'est extraterrestre? Est-ce que c'est extra-dimension? Est-ce que c'est Tout interterrestre? Donc, à là, fait. il y a différentes possibilités que moi, en ces années-là,
je n'avais pas cette C'est pour ça que compétence-là. les gouvernements, aujourd'hui, ne disent pas, enfin, ça se dit le mot alien, tout ça, mais ils disent plutôt une intelligence non humaine. Voilà. Ça résume le phénomène, quelque part. C'est une intelligence, Oui. des choses qu'on ne comprend pas. C'est comme je te disais en off, la technologie d'aujourd'hui, c'est la magie d'autrefois. Pendant les périodes de l'Antiquité, ça pouvait paraître nos technologies d'aujourd'hui, ça serait vu comme de la magie. Donc c'est sûr que aujourd'hui, même de notre époque, ce qu'on voit là, ça pourrait sembler à de la magie, mais c'est de la technologie simplement. Ils ont des milliers d'années d'avance, voire des centaines, voire des milliers, voire des millions d'années qu'on ne comprend pas encore et que les scientifiques comprennent partiellement pour certains. Oui. Pour ceux qui veulent chercher. Et puis voilà. C'est Vas-y, vraiment au niveau. Je te laisse continuer. Donc, le Oui. témoin, le témoin, donc il y a eu l'armée qui est venue sur place. Pourquoi tu me disais que ça a été retourné? Donc, quel est l'intérêt qu'ils sont venus avec des tractopelles pour retourner le lieu des observations? Disons, la grosse surcoupe, elle, qui était comme une maison de deux étages, on va dire, là, c'est la grosseur d'une maison OK. comme deux étages, elle a laissé comme une dépression. OK. Comme un cratère. Oui, c'est OK. là. Et puis, l'autre, la petite, elle était comme tu l'as vu, là, comme dans les airs un peu, donc il n'y a pas eu de dérangement, mais eux, j'imagine, les scientifiques, selon mon opinion, ils ont été voir s'il n'y avait peut-être pas eu de débris ou de radiation ou de toutes sortes de Radiation, exactement. contamination. Donc, ils n'ont pas pris de chance. Ils ont tout ramassé comme la Terre. C'est quand même assez long, là. Puis, ils ont tout emmené ça. Je sais pas où ils ont emmené ça, dans des bases du Nouveau-Brunswick ou autre. Là, je pourrais C'est pas le ça. dire. Et puis, là, ils ont tout recouvert ça. Est-ce que l'armée a eu accès à ces photos? J'imagine un certain qui a eu accès, certainement pas le soldat en Non, bas non, mais je veux d'échelle. dire, quand je parle de l'armée, je parle des officiers ou des officiels ou des gens qui sont apparentés, accrochés à l'armée, Ah ou oui, parce qu'il y avait paramilitaires, ou exact. voilà, On mais sait pas qui là. C'est, je sais pas en tout exactement cas, quel temps qui s'ils était ont là. pris les moyens pour retourner, pour faire signer des formulaires de non-divulgation, c'est qu'ils prenaient au sérieux. Ça prouve qu'il prenait au sérieux le sujet quand même. Oh, oui, Et qu'il a dû, et qu'il a dû avoir quelque chose. Donc ils avaient quand même, pour retourner, pour dire que, OK, on va retourner, on va voir s'il n'y a pas de contamination, c'est qu'ils savaient que ce genre de phénomène pourrait emmener comme une pollution quelconque. Tu oh, vois? ben, Ah, que définitivement, ce soit en non. électromagnétisme, que ce soit Oui. en radiographie, en radio. En nucléaire, en En radioactivité, radiation. en Oui. radiation. Donc, Oui. ça prouve tout ça que le sujet est pris au sérieux par les gouvernements et par les forces de l'ordre. Donc Oh ensuite, oui. continue Parce que après. ce qui arrive, c'est qu'un groupe de témoins avait aussi un appareil photographique. D'accord. Il y avait trois groupes, hein, il y avait comme deux groupes qui avaient comme je dis, et puis l'autre, justement, lui avait possiblement un 35 mm, un petit groupe, parce que lui, c'était un employé fédéral. OK. Donc, lui, c'était un employé de fédéral, donc lui, il avait possiblement un plus gros Kodak, le petit Kodak jetable. C'est pour ça que ça n'a pas été long, quelques heures, que tout a été déclenché, là, soit NORAD ou toutes les autres branches que je connais pas, là, Bien sûr. l'armée, tout, ça a Oui, le tout, NORAD, sûrement, oui. Sûrement. ça a tout déconnecté, là, le processus que j'imagine qui est en place Bien sûr. fédéral, qui est De toute secret, qu'on façon, connaît pas. le NORAD était présent à la place Bonaventure. Donc,
Donc, voilà, il y avait toutes sortes d'organismes, mais le NORAD en faisait partie. Le FBI Oui. était là, etc., etc. C'est ça. Donc, Donc, c'est d'ailleurs, ça que. John C'est DeSouza ça. était là. C'est ça. C'est vraiment avec les photos. Moi, je n'ai pas vu les photos de l'autre groupe. Parce que là, c'est à ce moment-là que l'armée a tout saisi ça. C'est pour ça que les photos étaient tellement. On parle en pleine journée, là. On ne parle pas le soir, là. C'est en plein soleil et puis en pleine journée. Donc, les évidences Oui, étaient oui. puissantes et faciles à déclencher le système et ont bloqué les chemins. Là, C'est ça, là on parle pas d'un nuage ou de l'objectif qui n'était pas clair. Là, on parle d'une photo qui était plus que nette. Non, c'était indéniable. C'est impossible c'est comme j'ai dit, c'était comme pour moi, c'était une malédiction, mais pour eux, c'était une bénédiction Ouais. d'avoir tant d'images de la part, justement. Puis la série doit être, les images doivent être absolument captivantes. Ça peut être. Ça serait fascinant de voir ces images, avoir accès à ces images-là, mais on n'aura pas accès à ça, là. Mais je veux dire, Non. c'est pour ça qu'il n'y a eu aucune hésitation à déclencher le plan d'alerte. Disons, tu sais, les hélicoptères sont arrivés, les OK. scientifiques possiblement sont arrivés, ont débarqué. Donc, tu sais, que venez-vous, là? Ils savent qu'est-ce qu'ils font, là. Est-ce que tu sais la couleur des hélicoptères à peu près? Non. C'est soit foncé, noir ou vert. Ouais. Des fois dans le ciel avec le reflet, c'est dur Ça à paraît voir. sombre, sombre. Ouais, sombre, tu sais. OK. Puis, ils ont pour aussi une coïncidence qui en amène un autre. Parce que, comme je dis, mettre les gens voient les photos, tu vas démontrer plus tard, là, ils vont tomber en dissonance cognitive. Ah oui, c'est choc, t'as le cerveau qui tape contre la boîte crânienne. Ah oui, en fait, c'est un casse-tête, ces photos. Parce que tu cherches à être rationnel, tu connais les conditions, tu connais le contexte, que ça a été pris au sérieux, qu'il y a des choses qui ont été entreprises par certains organismes officiels. Et tu te dis, mais si tout ça était faux, pourquoi avoir dépensé des millions de dollars pour tout ça, en fait, pour seulement quelques photos? Parce que y avait plus de photos que ça, mais il y en a que trois qui sont ressorties. C'est ça que t'as eu entre les Oui, mains, en tout cas. oui. J'aurais pu, Kevin, j'aurais pu en avoir plus, là, des photos. C'est Mais ça, moi, en ouais. voyant les vraies photos, je me suis dit que l'armée, ça va être le journal dans quelques jours, ou attendre Et juste oui, un. tu pensais à bien, tu dis, ouais, là, je vais écrire Oui. quelque chose, ils vont enfin parler, quoi, dire les choses. Oui. Les vraies photos, là, quand tu as une vraie photo dans la main, il n'y a pas d'autre option. C'est pour ça que je me suis pas. Puis, non, moi, c'est pas ma branche. Maintenant, je regrette de ne pas en avoir eu plus Oui. parce qu'on aurait pu avoir un petit plus comme un éventail. Mais parce que là, les photos, comme tu sais, ils sont controversés. Puis c'est correct. C'est all right, c'est le processus normal. C'est une Oui, dissonance cognitive. Puis bien sûr. il faut que les gens fassent le mur. Et puis, lorsqu'ils fassent le mur, c'est OK, c'est complètement un processus sain. Ce n'est pas Le malsain, ce processus-là. débat est Oui. ouvert et Oui. justement, vous n'êtes pas obligé de nous faire confiance. Nous, on vous apporte des choses, on vous apporte notre vision des choses. Comme moi, je vais vous montrer mon analyse personnelle, mais après, de toute façon, si la personne veut contredire ça et dire que c'est faux, écoute, possible, possible. Nous, de toute façon, on laisse les portes ouvertes, on n'en ferme aucune, et un enquêteur ne se doit de jamais en fermer une, à part si la preuve est formel que là on peut se permettre de fermer une porte, Oui. mais sinon faut toujours laisser des portes ouvertes comme son esprit. Oui, Donc exactement. ensuite t'as fait, donc l'armée est venue, a retourné,
ont dissuadé les témoins de parler. Et ensuite, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as eu recontact avec ces témoins-là après le passage de l'armée. Oui. Comment tu les as sentis, ces témoins? Ben, disons, ça c'est je pourrais dire ça, c'est comme je vous expliquais, comment est-ce qu'on fait pour savoir si une personne est crédible ou pas crédible? Okay, là, c'est Bien sûr. extrêmement complexe. Et puis, c'est un processus qu'en tant qu'enquêteur, disons, c'est un défi pour nous aussi, là, tu sais, là, de voir dans n'importe quoi, là, tu sais, est-ce que cette personne est crédible? Donc, il faut vraiment que ça soit basé sur différents, justement, des faits, des témoignages, des évidences, c'est tout un bundle. Et moi, j'avais trois photos, mais les photos, je les ai eues dans mes mains à moi, là, tu sais. Donc, c'était comme la cerise sur Sunday, là, tu sais, là, et ça, donc, je savais déjà que j'avais des évidences qui étaient là, c'était en interviewant les témoins avec douceur, et vraiment parce que eux ont de l'anxiété, parce que d'un côté, ils ont l'armée qui dit, vous parlez pas, vous parlez pas, vous parlez pas. Là, moi, j'arrive dans le portrait, OK, comme garde forestier. Nous, comme garde forestier, on a vraiment quelque chose qui est unique, c'est qu'on a vraiment une belle échange avec les citoyens, là. Les citoyens nous font Oui, confiance. voilà, une bonne confiance, une bonne proximité. Une proximité avec les citoyens. Et donc, on peut bénéficier de ça. Donc, mettre cette personne-là en confiance. Il y a des témoins qui sont décédés. Donc là, je peux plus faire de comeback. Là, tu sais, c'est vraiment lui, un des Oui, témoins. ils ont emporté tout ça avec eux. Ben oui, c'est ça. Le rêve du témoin, c'est de pourquoi qu'on ne voit pas ça comme au cinéma ou comme ou tu sais là, comme t'es là. Et pour lui, c'était quelque chose qui était là-dedans, là, tu sais, là, comme l'anxiété. Donc moi, je promets rien. T'es là, tout ce que je fais, je dis, écoutez, je vais faire de mon meilleur. Faire de mon meilleur, comme que j'ai tout le temps fait pendant mes années de service, faire de mon meilleur afin de faire passer la connaissance aux citoyens, à la population. Et puis, vous avez été témoin d'un événement exceptionnel, qui est une malédiction. Par rapport, on veut que ça soit une malédiction, c'est le système qui apporte la malédiction. Okay? Lorsqu'on voit ça, on est exposé à ça, vraiment, c'est un cadeau de la vie. C'est lorsque tu es en réel que t'es présent, c'est un cadeau, tu sais, Mais le cerveau. dans tes Ben recherches, oui. t'es honnête, et c'est ça Oui. qui fait justement. Donc, pour clôturer le truc de l'armée pour l'instant, est-ce que l'armée est venue te voir toi, puisque les témoins sont venus te voir toi. Donc, est-ce que l'armée ou un organisme quelconque est venu te voir toi, Paul Bédard? Non, ils ne sont pas venus me voir. J'ai su qu'ils étaient au courant, que j'enquêtais sur ce phénomène-là. Et OK. puis, à partir de ces personnes. Et puis, ben, ils ont pas. Il faut comprendre aussi que vous comprendrez qu'avec mon vécu et mon expérience et mes compétences, que je me fais pas faire chier par personne. Que ce Ouais. soit l'armée ou n'importe qui, là, je m'en calisse. Okay, là? Parce que moi, je dis la vérité. La vérité, tu peux pas aller contre la vérité est absolue. Et ça fait que j'ai tout. Ça fait 30 ans que je suis guéri à dire la vérité. C'est pour pas aller comment ça. Moi, le concept de UFO, c'est réel. C'est naturel. C'est réel. Ça a toujours existé. Wake up. OK, là. C'est les gens qu'il faut qu'ils se réveillent. C'est qu'ils nous ont gardés dans une bulle. Non, ça n'existe pas. Ils ont ridiculisé depuis des années, depuis des décennies. Ça fait 75 ans que ça dure, ça. Fucking histoire-là. Il faut que ça Plus, arrête quelque part. même Et plus, plus, c'est même plus, là. Fait plus. qu'il faut On va que dire ça que arrête. Roswell a été un élément déclencheur pour pas mal de Oui. choses, pour pas mal de, pour une prise de conscience par les gouvernements, qui avait quelque chose d'autre. Mais c'est un phénomène qui dure depuis des milliers d'années même. Donc. Exactement. Et comment que tu fais pour te sortir de ce mensonge-là? Puis, le gouvernement dit que ça n'existe pas. Comme j'ai bien expliqué, le gouvernement dit que ça n'existe pas.
Moi, je suis le gouvernement. Je suis un full duty officer en service, OK? Et je dis que ça existe. Donc, il y en a un des deux qui ont démenti, là. Je sais pas moi. OK, là? Ça fait que c'est au monde de faire des associations et de commencer à développer, là. Ouais, tu sais, peut-être que oui. Mais, si vous croyez que, que le gouvernement vous dit la vérité, là, ben, vous êtes désillusionné. Vous êtes complètement dans un autre monde, tu sais, là. Le gouvernement, c'est une grosse machine. Vraiment, on vit dans deux mondes. Okay? On vit ce que moi j'ai défini comme deux. On a on a le pouvoir, l'argent et le contrôle. Okay, là, ça, c'est le yin et le yang. Si on prend ça comme le yin et le yang, là, okay? Le pouvoir, l'argent et le contrôle est là. Le contrôle, c'est les médias traditionnels et toute la gang, là. Ça, c'est le contrôlons. Et l'autre côté, OK, on a la vérité, la liberté et la santé. Donc, on est en guerre présentement, là, okay, dans ces deux mondes-là, là, okay, là. Et puis, dans ce gouvernement-là, il y a du bon, mais il y a du mauvais aussi. Bien Et sûr, non puis, mais c'est comme partout. c'est normal. Le bon, comme les entités, comme chez l'humain, enfin c'est l'humain en général de toute façon, hein. Il y a du bon et il y a du mauvais. Donc les gouvernements sont aussi le reflet de la société, hein. Comme la police, comme les gardes forestiers, il y en a des bons, il y en a des mauvais, comme l'équilibre, de toute façon il faut ça pour l'équilibre. Donc C'est de le toute yin et façon, le yang, on essaie de se situer sur la ligne, disons, qui n'est jamais possible, là, entre les deux. non, on Mais est... Il moi, faut j'ai rester choisi de dire aligné avec soi-même et puis oui. les choses se font tout seul. Et puis, Donc on pour n'est plus dans revenir, un système. Comme c'est ça. rapidement, il faut que j'explique aux gens parce que les gens ne comprennent pas. Là, tu sais, là, le système hiérarchique. Là. Là, on ne peut pas être plus intelligent que lui qui est en haut de nous. Donc, là, on est contrôlé. Comme nous autres, comme je t'avais expliqué, Kevin, comme les bananes sur les épaules, nous autres, on appelle ça les bananes. Okay, là? Ben, c'est pas à cause des bananes ici de partout, n'importe où, que tu as le crayon plus aiguisé de la boîte. Okay, là, je vais parler en termes francs que le monde comprenne, là, c'est que c'est pas à cause que tu es surfrontal Non, caporal ou non, voilà, c'est ça. quoi La que ce fonction ne fait pas l'intelligence, c'est sûr. Même Exactement. comme les diplômes, d'ailleurs. Les diplômes ne font pas l'intelligence. Et voilà. C'est juste un outil qui te Oui. permet d'avoir un meilleur Le salaire ou contrôle. d'avoir un pouvoir. On Oui, revient au le pouvoir. pouvoir, l'argent, le contrôle. Tu sais, là, ça fait que, Oui. donc, toi, tu rentres dans ce système-là, comme la politique est corrompue, on le sait tout, OK? Mais le politicien, c'est lui qui décide d'être corrompu ou pas, là. C'est lui qui a cette force-là, là. C'est lui qui a... Toi, tu décides si t'es corrompu ou pas, là. Tu sais, c'est pas... Oui, c'est le Non, moi... libre arbitre. C'est le libre Ah oui, arbitre, tu sais, le tout à fait. libre-arbitre. Non, moi, je veux pas... Je suis un politicien, mais moi, je veux pas embarquer dans vos gamins. Donc, il va probablement avoir un petit peu plus de misère. En tout cas, il faut vraiment comprendre le système, puis j'explique ça aux gens, puis des fois, je dis pas, tu devrais venir donner une conférence. Non, 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 non. C'est pas mon domaine, mais c'est pas une conférence. Hein. On dit les ministres. Ah, là, on est tous en émoi devant un ministre. Mais vous, je vais vous dire quelque chose, là, peut-être un secret de polichinelle, OK, là. Exemple, le ministre des Ressources naturelles, OK, là. Bon, et en haut, là, il est ministre des Ressources, il est en haut de l'échelle, OK, là. Mais le ministre des Ressources naturelles, la plupart du temps, il ne sait pas différencier un sapin d'une épinette. Oui, mais après, ce n'est pas son domaine non plus. Ce n'est pas sa spécialité. Exactement. C'est... Lui, il est Voilà. là pour... C'est un gestionnaire. Mais Et voilà. après, Oui. c'est à lui de faire appel aux experts. Comme toi, tu fais pour ton enquête, c'est à toi de faire appel aux experts compétents pour pouvoir essayer d'avoir ça, c'est vrai, ça, c'est faux, ça, c'est OK. Voilà, c'est ça, en fait, le but d'un Un ministre ou de n'importe système. qui, qui nous Ben dirige. oui. C'est de s'allier d'experts, de prendre Oui. les connaissances de ceux qui savent. Et oui. Et puis c'est pour ça Mais que c'est un donc, contrôle. Et puis là, là, c'est complexe. on s'est un peu écarté de Ah, l'enquête. déjà. OK, oui, Mais on revient. est-ce que, donc déjà, est-ce que, revenons, donc, l'armée, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait d'autre? Par la suite, ben là, c'est ça, moi, j'ai fait appel avec l'équipe Hazmat qui ont été sur le terrain pour voir s'il n'y avait pas des restants de radiation, pour faire certain qu'il n'y avait pas de danger pour la population. Donc, Azmat, pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, pour des gens qui ne Ah, sont OK. pas déjà
canadien. Il y en a Oui. peut-être qui connaissent Asmat, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne? ASMAT, ben c'est l'abréviation pour Hazardous Material, c'est matériel dangereux, disons, là. OK. Donc, j'ai fait. Puis ici, ben, c'est les pompiers de la ville qui ont des détecteurs de radiation. Et puis, OK. vous faites des analyses s'il y a des endroits. Moi, je leur ai demandé, disons, d'aller examiner cet endroit-là parce que. Là, j'avais su exactement ce qu'était l'endroit parce que je savais, au début, comme je dis, les trois photos, je savais pas ce que c'était, là. C'est là que ça apparaissait que ça arrivait que c'était dans mon district. Mais bien là, j'avais une responsabilité sociale et puis de faire sûr qu'il n'y avait pas de radiation ni de Oui, pour la danger, sécurité des disons. citoyens. Ben oui, c'était étudié. J'avais fait confiance, disons, à l'armée quand même qui avait fait leur travail, puis les scientifiques qui ont fait leur travail. C'est possiblement pour ça qu'ils ont pu tirer le matériel, ce qu'ils savaient. Parce que là, les entités, les petits gris, là, il y en avait peut-être une dizaine, une douzaine là, qui marchaient partout aussi, là, tu sais, là. Ah ouais? Donc, oui, non, là, il y avait, tu sais, puis il y avait, en plus, il y avait des humanoïdes, là, eux, sont allés à la porte de la grosse soucoupe volante, là, puis il y avait comme une genre de robe, un genre de Ils robe, étaient là, plus ben, grands que les petits gris ou... oui, c'était la taille d'un humain, là, tu sais, là, on pourrait, selon ce que j'ai vu, là, comme il y avait des cheveux, puis il y avait une face, là, pareil comme un humain. C'est ça que la description qui m'a Et la été. couleur des cheveux? Ah, je sais pas. Tu sais J'ai pas. pas OK. été. Non. OK. Comme je dis, moi, dans ce moment-là, il y a beaucoup de détails que je savais pas que la couleur des cheveux pouvait indiquer que ça venait surtout d'un autre. Là. Ils m'ont juste dit qu'il y avait des cheveux, c'était des humains. Donc, en tout cas, ressemblance humaine, je sais pas, ça peut être des humains aussi, parce que là, on sait présentement que le Deep State qu'ils appellent, là, une sorte de technologie, là, donc, ça fait, mais vraiment que les petits gris, il y en avait deux sortes, il y en avait les petits gris comme on allait pouvoir voir sur la photo, là, et l'autre était un petit peu plus comme costaud, là. Les autres sont très, très près du véhicule, là, ils sont très près, ils OK. sont un petit peu plus grands, mais pas beaucoup, là, mais plus comme costaud, là. Quand tu me disais aussi en off tout à l'heure qu'il y avait un petit gris qui était à une place particulière. Oui, Kevin, ça je l'ai pas mentionné nulle part là. Disons, lorsque les engins spatiaux étaient prêts à décoller, il y en a un ça comme déplacé un peu, mais il y avait un petit gris qui avait, comme tous les autres petits gris, avaient rentré dans la grosse soucoupe, là. Et puis D'accord. là, finalement, il y en avait un qui avait resté sur le perron. Je sais pas s'ils l'avaient oublié, whatever. Et puis, c'est à ce moment-là, ils l'ont comme zappé in, là, avec un beam, Le rayon tracteur là, comme un rayon avec tracteur, là, un faisceau là. ils l'ont aspiré, puis après ça, boum, ils ont dégolé. Et comment il se déplaçait? Tu peux me décrire un peu sa façon de se déplacer, Les petits que gris, tellement décrivé? les petits gris, disons, ils se déplaçaient d'une façon un peu, pas normalement, pas comme un enfant, là, tu sais, c'était plus un genre comme robotique, un peu, là, tu sais, là, c'était pas, c'était comme un enfant de 2 ans, mettons, tu sais, plus, ça Ouais. semblait, selon le témoignage, moi, je me base sur le témoignage des témoins, là, c'était un peu comme robotique. Ok. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de témoins? Si tu peux pas dire un nombre, est-ce qu'on dépasse les trois? Est-ce qu'on dépasse... Oui, on dépasse les 3, on dépasse les 4, on dépasse les 5. Ok. Donc voilà. Donc tu vois, cinq témoins aussi oculaires qui voient la même chose. Donc ça, c'est aussi incroyable. Oui, non, c'est assez. C'est surprenant. C'est vraiment. Il dit, j'aurais pas vraiment aimé être à leur place. Du point de vue que par la suite, il faut que tu deals avec toute cette énergie négative-là et puis toute cette Ouais.
c'est pour ça que je me suis fait le porte-parole de ces témoins-là qui aimeraient partager eux de. Ça serait tellement plaisant qu'ils peuvent, Oui, pour disons, libérer avoir. leur conscience, ouais. Ben oui, avoir les autorisations des autorités. Garde, allez-y, parlez-y-en, là. Tu sais, allez-y, puis ils montraient toutes les photos qui étaient remises aux autorités, là. Ça serait une délivrance totale pour ce témoin-là, qui ont vécu un événement exceptionnel, mais qui ne peuvent pas le partager Bien sûr. avec le restant de la population. Tu sais, c'est très dommage. Ce moment-là, il y a eu tout comme des coïncidences. Au 33e anniversaire, j'ai décidé d'aller sur les lieux de mon propre gré, moi, pour faire un hommage, si tu veux, à cet événement-là, les témoins qui sont décédés. Le témoin qui est décédé, là, il n'est pas décédé à cause de ça, là, tu sais, là, c'est pas là. Il est juste décédé Ouais, de mort de naturelle. ça. Oui, c'est sûr, là, tu sais. Donc, ben, Ouais. les témoins qui ne peuvent pas parler. Donc, j'ai été là avec une personne qui m'a porté là. Puis, lorsque je suis. Ça, c'était au 33e anniversaire, la date exacte. Et puis, dans l'heure, ça arrive dans l'après-midi, là. Lorsque je reviens chez moi, il y a quelqu'un qui m'envoie. Ben, je vais vous le dire à l'envers un petit peu, là. Si je vous dirais que l'avion de la NASA était au-dessus de ma tête 33 ans après l'événement, à l'heure exacte, vous ne me croirez pas. C'est là parce que ben voyons, l'avion de la NASA, tiens, ben ouais, c'est là parce que on est dans la faut voir pour croire. Et là, et puis coïncidence, un photographe de la région m'envoie justement dans Facebook de l'après-midi même ou le soir. Il dit, regarde, Paul, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de la région. Il y avait l'avion de la NASA. Ici, il y avait des avions Hercule. Je sais pas si c'est Hercule, là, je suis pas un connaisseur d'avions, là, mais des gros Hercule avec des cargos, là, la porte qui s'ouvre en arrière. Tu sais, Ouais. Ouais, c'est qui ça. était là, okay, au 33e anniversaire. Là, OK. il l'a pris. Très bien, en photo, on peut voir Ouais. sur l'aile arrière la NASA. On la Bon, ben, montrera. il faut voir coïncidence. Okay? Ouais, coïncidence. Coïncidence. Donc, Okay, raison. l'ASMAT, quels sont le résultat de leur recherche? Eux, ont quadrillé le terrain, disons, là. On a fait un pattern, puis en marchant en long et en large. Il y avait des petits pics dans leur détecteur Geyser, là, avec des petits pics, mais rien de. Qui m'ont dit, en tout cas, ben moi, je connais rien, là. Rien de dangereux, disons. Ça aurait pu être juste du matériel minéraux parce que c'est un terrain extrêmement minéraux. Donc, moi, j'ai pris leur expertise. Ils m'ont dit, non, Paul, tout a l'air d'être correct. Merci, bonjour. Ça a été verbal. C'est des pompiers de Bathurst. Ils sont venus là avec leur OK, unité. Ils ont mais monté là. il n'y avait pas de petit pic, comme tu m'avais dit. Il y a eu Oui, il des y avait un petits petit pics, pic. un petit pic Oui. de radioactivité. Petite, mais pas rien de. Selon eux, Ouais. selon leur expertise à eux, rien de dangereux. Donc, moi, ça OK. me satisfaisait. C'est vraiment juste ça, la base. J'avais aucune Sachant autre qu'ils ont idée. fait une recherche, qu'il faut préciser, ils ont fait une recherche à l'aveugle. Tu ne leur as pas dit pourquoi. Oh, non, 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 parce que il n'y aurait pas OK. vu. Il a fallu que je tord un peu comme. On a besoin de tordre la vérité un peu, des fois, là, tu sais, là. Je venais. Parce que c'est une démarche, disons, moi je suis full duty officer, là. Je suis un agent là, à ce moment-là. Tu sais, là, Oui, tu fais passer ça pour la ça prend sécurité une raison. nationale, la Oui, sécurité, des citoyens. oui, parce que là, tu Eh sais, oui. ça coûte de l'argent à déplacer l'équipe, puis tout Oui. ça, là, tu sais, il y a une certaine façon. Donc, j'ai dit, je veux juste faire vérifier qu'il n'y a pas, selon mon enquête, il y a quelque chose qui est arrivé ici, ils n'ont pas besoin de savoir à quoi. OK, moi je vous dis que c'est sur ce terrain-là que je veux que ça soit vérifié. That's it, that's all. Pour vous savoir pourquoi, c'est ça. Et c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont Parfait. fait ce que là, ils ont fait ce que je leur ai demandé. Très bien. Excellent. Mais tu sais, il n'y a pas de traçabilité de papier parce que ça, c'est fait là, comme verbal. Là, tu sais, regarde, tu fais ton job, tu en vas, puis Ouais, c'est ça. c'est Il y a tout. pas de, T'sais. malheureusement, il n'y a pas de rapport de Non, ça. non, 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 Okay. non. Ensuite, Pété. après ça, qu'est-ce que tu as entrepris?
L'autre anormalité qui a eu lieu dans ce secteur-là, disons, était, il y a eu ce qu'on appelle un gros, nous on appelle ça un blowdown en anglais, là. C'est un gros, c'est lorsqu'il y a des gros vents et tout, les arbres Se touchent. Oui, c'est ça, se secouchent, touchent exactement. tous dans la même direction. Dans le même sens, c'est tout dans le même sens. Donc là, il y a eu environ, dans ce secteur, aux alentours de un petit peu plus loin, là, mais pas si tant loin que ça en travers, là, environ 30 000 acres de forêt qui a été causée, puis plusieurs millions de dollars, disons, de bois, là, qui a été récolté par le sud. Donc, c'est un phénomène pour là, tu sais, alentour de la mine, il y a de l'air à se passer, toutes sortes de genres de phénomènes un peu bizarres, là, tu sais, là. Okay. Donc, ça, c'est des. C'est Mais ça pourrait être aussi naturel. Absolument. Oui. Absolument. OK. Je dis juste que le phénomène est arrivé là. Donc. Ouais, si tu veux, ce qui te paraît bizarre, c'est l'accumulation de choses, on va dire, paranormales, Oui. qui fait que tu dis dans cette zone-là, il y a des choses qui se passent. Oui, exactement. Parce que si j'aurais, comme tu disais tantôt, si j'aurais dit l'avion de la NASA passe, la plupart du monde, ouais, puis. Puis, ben, oui, puis, ben, je veux dire, là, on l'a capturé, une évidence que vraiment, elle était là. Donc, on ne peut pas le dénier. Okay? Le photographe est là. Le photographe a donné la permission d'utiliser la photo. Je l'ai fait parvenir. Donc, c'est comme je dis, c'est des grosses enquêtes. Et puis, ça peut prendre des années avant qu'on finisse le casse-tête, là, parce que c'est vraiment des informations Oui, qui rentrent au bout. Et puis, exactement, exactement. Puis l'administration aussi est longue, donc oui. exactement. Moi, tu vois, je demande de moi des documents et puis ça fait plus d'un an que je suis dessus. Donc ensuite, qu'est-ce que tu as fait après ça? C'est à partir de là que j'ai fait le livre, et puis tu sais, Ouais, mais tu as fait m'enlever. survoler la zone, c'est ça? Quand tu as fait tes Oui, j'ai recherches? engagé un drone et puis faire justement voir un périmètre, voir ce que ça Avait l'air du dessus? allait du haut des airs, tu sais, là. Ouais. Et puis ensuite, ben là, j'ai analysé, nous, moi, comme garde forestier, j'avais accès aux photos aériennes de tout le Nouveau-Brunswick, qui est pris à différentes périodes de temps là, pour l'aménagement des forêts. Donc, j'ai fait une analyse de photos. OK, ça, ce terrain-là n'était pas dérangé cette année-là, mais là, tu sais, qui coordonnait tout avec l'information que je recevais aussi, là, tu sais, là. Donc, j'ai fait une analyse photogrammétrique, qui appelle ça. Et puis. Est-ce que dans cette zone-là, il y avait de l'eau, des rivières, un Il y lac? avait un petit ruisseau, oui. Juste là, il y avait juste un petit ruisseau à part la mine, c'est vraiment une grosse Ouais. mine. Ils sont juste atterris là, à proximité d'un Un ruisseau, tout ruisseau. près d'un ruisseau. Donc, j'ai fait aussi analyser L'eau. le ruisseau, l'eau. Tu sais, j'ai pensé, Ouais. ben Ça aurait pu là, contaminer l'eau, analyser. exactement. Ouais. Ben oui, ben là, j'arrivais pour faire analyser. Là, il dit, ben, pourquoi tu fais analyser ça? Alors, tu sais, je veux juste savoir si elle est contaminée. Puis ils l'ont analysé, ils n'ont trouvé aucun contaminant. En tout cas, parce que c'est une source d'eau, ce que le monde va voir. Il y a beaucoup de S'abreuver, ouais. campeurs, puis c'est une grosse source d'eau que le monde. Si tout le monde va là pour remplir leur bidon d'eau. Puis, tu sais, OK. c'est vraiment. Puis Puis ne tout le serait-ce que monde les dit. animaux aussi, hein. Les animaux, Oh ils oui. viennent aussi s'abreuver ici, hein. Donc, j'ai fait analyser, puis ils ont trouvé de la contamination, mais c'était de la contamination végétale. Donc, complètement normal parce que c'était Oui, une source naturel. ouverte, naturelle. Donc, les feuilles tombent et puis, tu sais, là, qui est pas toxique à Oui. rien de tout, tu sais, là. Oui, Puis, c'est. mais, qu'est-ce qui est un peu, disons, c'est que la source d'eau, l'endroit où ce qu'on atterrit à peu près comme 200 pieds, ou 100 mètres, disons, après la source d'eau, il n'y a personne qui sait ça. Donc, tout le monde vire à la source d'eau, mais il n'y a personne qui sait qu'ils ont atterri juste un petit peu plus loin, là, tu sais, parce que on fait cette entrevue-là, là, puis les gens de la place ne sont pas au courant de ça. Oui.
Ah, puis il y en a aussi, il y en a sûrement aussi qui n'y croient pas aussi, hein? Oui, absolument. Là, ça commence juste à sortir, justement, à cause que le phénomène est plus D'accord. connu là, à travers les médias traditionnels. Puis là, le monde veut aller justement là. Moi, j'essaie de protéger ça autant que je peux, parce que je veux pas qu'ils détruisent ce secteur-là non plus, parce que c'est un site historique. Ça OK. devrait être considéré un site historique. Mais là, c'est quoi le Est-ce processus de faire reconnaître un site historique Je pense que pour une ça doit être long, c'est administratif, tout ça. Après, il faut voir ça peut-être ville? avec le maire de la ville, enfin, Oui. etc., etc. Et Ben, puis, c'est c'est ça. une complexité au-delà de tu sais, tout est, il n'y a rien de simple. La minute que tu touches à ce sujet-là, là, il n'y a absolument rien qui est Non, simple. non, Tout non, non. Puis devrait être on simple. fait avec nos connaissances d'humains aussi. Donc, Oui. avec les connaissances qu'on a, nos ressentis aussi personnels, notre instinct, Oui. on Ben, le fait dis, avec tout ça. Donc, ce que que je peux, disons, rajouter, c'est on pourrait dire, on a divers degrés de connaissances, mais c'est plutôt divers degrés d'ignorance. oui. L'ignorance est plus grande que la connaissance. Malheureusement, oui. Oui. Donc, on doit se Exactement. réajuster, de C'est pour patauger un ça d'ailleurs peu. qu'on fait des erreurs et qu'on évolue. Ben oui, c'est ça. C'est être un être humain. Bien sûr. Autre chose que je voulais te demander. Oui, certain. Concernant la zone, est-ce que le lieu d'atterrissage, la mine, est-ce que c'est à proximité ou dans une réserve autochtone? C'est pas si loin que ça d'une réserve autochtone. Je sais pas, OK. voilà, c'est quand même quelques milles de là, là. C'est pas exactement, mais disons, ouais, c'est pas vraiment sur la réserve, parce qu'ici, nos amis autochtones ont des réserves, mais c'est, si qu'on recule dans le passé, là, c'est tout autochtone. Ah oui, bah, le Canada au complet. Donc, tu sais, c'est Non, là. mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le milieu ufologique et les autochtones ont un lien particulier avec ces êtres-là. Donc, on pourrait supposer que ils viennent par visite. Ça peut être une visite de courtoisie, une visite de recherche scientifique. Ça peut être Oui. terme d'abduction aussi pour avoir un besoin de d'avoir, on va dire, des cobayes. Oui, Ça oui, peut être oui. aussi des enseignements sur l'environnement. Attention à Oui. cette zone-là, attention à ce que vous faites, parce que ça, vous êtes en train d'abîmer notre planète, en train d'abîmer, votre environnement, votre forêt, votre planète, tout simplement. Donc, ça peut être aussi, dans ces buts-là. Mais donc, tu me disais que les témoins ont vu plusieurs êtres, donc deux sortes de petits gris qu'on appelle communément des petits gris, Oui. et d'êtres beaucoup plus grands qui paraissent de type un peu caucasien, c'est ça, humain, Humain. enfin humain, ouais, Humain. Oui. humanoïde, plus grand que les autres, Humanoïde. avec des Oui. cheveux, Des cheveux. un vêtement style robe, Oui. c'est ça. La couleur, ils arrivent à la situer, la couleur de leur Blanc, je crois que c'était blanc. Paul. Okay. Et la couleur de la soucoupe à l'œil nu, comment eux ils la voient? Parce que souvent les photos ne rendent pas justice à la réalité de ce qu'on voit de nos propres yeux. Alors est-ce que eux ils arrivent à définir une couleur ou une couleur des lumières qu'il y avait sur la soucoupe? Oui, il y avait des petites couleurs. La petite, vous allez la voir, là. Vous allez où tout le temps. La grosse, elle, c'était gris métallique. OK. Un gris métallique. Il y avait trois genre des pôles Des antennes. au-dessus. Ouais, des antennes ou des pôles, là, trois pôles. Et puis, l'information que j'ai pu obtenir, c'est que quelqu'un, disons, de l'armée, qui a dit que possiblement que la petite allait sur la grosse, qui voyageait comme en tandem, tu sais, en tandem, Comme en trois.
J'ai une comme opinion. un vaisseau mère avec on va dire un vaisseau un peu plus petit pour d'observation de comment on appelle ça? Comme un vaisseau de liaison. C'est comme Oui. dans le fond quand tu as pour comparer à ça, un vaisseau de on parle de porte-avions de Oui. guerre, tu as des Zodiacs qui font pour les petites missions les Oui. missions ponctuelles. Donc là, on pourrait comparer à ça avec un gros vaisseau et puis des petites soucoupes qui sortent de là pour pouvoir être plus mobile, pour certaines missions qu'ils ont sûrement de prélèvement de minerais ou de végétaux Ouais, ou des explorateurs un d'autres peu. choses. Ouais. Ouais, des Oui, explorateurs. Et c'est oui. exactement ce terme-là que je cherchais. Ouais. Justement, donc, pour parler de ces petits êtres qui étaient sur place, qui apparemment il y en avait des, selon les témoins, il y en avait des dizaines qui parcouraient la zone. Donc, je vous invite à aller pour avoir beaucoup plus d'informations parce qu'il le met beaucoup plus en détail. Là, on a comme un peu survolé 1000 contextes pour présenter Paul, son travail, et pour présenter aussi le contexte de ses photos complexes, on va dire ça comme ça. Donc, on va vous mettre le lien du livre qui est gratuit de Paul en dessous de la vidéo. Donc, Paul, pourquoi as-tu fait ce livre gratuitement? Tu l'as expliqué un peu tout à l'heure pour que ce soit accessible à Oui, tout le monde, oui. mais aussi pourquoi tu as fait ces raisons-là. Eh bien, voyez-vous, cette histoire-là, c'est un cadeau pour l'humanité, à mon opinion, mes observations. Ce qui était une malédiction pendant 30 ans, maintenant, avec la technologie, avec les gens qui évoluent, avec les gens qui ils connaissent plus. Des fois, il faut faire un retour vers le futur, comme je l'expliquais tantôt, là, pour faire comme. Cette histoire-là devrait être une histoire de base, disons, de par justement les évidences que j'ai eues miraculeusement gardées. Donc, le fait que c'est gratuit, c'est que, comme tu sais, Kevin, on fait affaire avec des debunkers, Oui. ou en français, je sais pas, là, des. Ouais, on le dit en France On aussi, le en dit ça français, en français aussi. les débunkers, c'est les zététiciens, les ultra-sceptiques, les sceptiques, et tout, voilà. Donc, puis là, il dit, oh, ben, tu sais, des gens qui disent, ceux-là qui ont la langue sale, comme on dit, ils vont dire, oh, il a fait un livre pour faire de l'argent. J'ai fait 25 copies en français, 25 copies en anglais. Un dentiste de la région, un docteur, lui, n'a acheté 100. Pour Wow. lui-même, pour la population, pour faire bénéficier la population de cette connaissance-là qui va arriver dans notre secteur, que le monde ne sait pas parce que les médias traditionnels n'en parlent pas. OK? C'est intéressant ça qu'un dentiste, c'est Oui. généreux de sa part, c'est. Ah, incroyablement généreux parce qu'il savait, il connaissait ma crédibilité, il connaissait ma carrière. Donc, il savait très bien. C'est Il ça. dit, tu fais partie de la solution aussi, là. Tu sais, là. Vu ton statut de docteur, tu sais, puis fait que lui a pris ça très au sérieux. Il a pris sa responsabilité en tant que qu'est-ce qu'il était. Il dit, je veux en faire imprimer 100. Et puis lorsque je lui ai donné les 100, j'ai dit, est-ce que je peux en prendre une dizaine parce que il y a plusieurs gens qui savent même pas que j'ai créé le livre. Oui, pas le présent comme tu veux. Donc j'en ai pris une dizaine justement pour le distribuer au moins gratuitement, gratuitement. Et puis, c'est que l'histoire, les debunkers vont dire, oh, oui, il a fait un livre, il faut et puis, là, ensuite, il y a des gens qui voulaient que j'autographiais mon livre. C'est là, Kevin, Kevin, Kevin. Je pouvais pas comprendre. Okay, j'étais assez mal à l'aise de faire ma signature. Comme je suis pas un gars qui cherche comme des honneurs et puis Oui, la des notoriété et tout ça.
la notoriété. T'sais, j'ai eu des médailles, j'ai eu des citations pour avoir résolu des cas de meurtre, des cas de vol à mer. J'étais impliqué dans toutes sortes d'affaires. J'ai encore eu une dernière médaille qui m'a envoyé, c'est le gouverneur général du Canada, comme agent de la paix exemplaire. Pourquoi ça est arrivé? J'ai arrêté, là. J'ai arrêté de donner des affaires. Je suis mal à l'aise, moi, dans Ouais, ces mais choses. quelque part, prends ça, justement, comme tu as une carrière exemplaire, prends ça plus comme pour l'ensemble de ton œuvre, l'ensemble de ce que tu es finalement, que le Canada t'est reconnaissant. Et ça, c'est, prends ça comme ça, c'est le plus important. C'est, on se serre la main et bonne continuation. Merci pour ton service. Et d'ailleurs, je te remercie pour ton service. Parce que merci pour ce que tu fais pour protéger nos eaux, nos forêts, nos animaux, pour la collaboration avec différentes personnes de chaque communauté, de chaque tu es finalement un point relieur qui relie toutes les communautés. Tu es un point qui représente aussi une figure de la province, du Nouveau-Brunswick, mais aussi qui représente quelque part aussi le Canada. Donc, t'es quelqu'un que t'es un homme qu'on écoute. Donc, et comme tu dis que la vérité, tu es un homme exemplaire et qui se doit d'être exemplaire aussi. Un policier, un militaire se doit d'être exemplaire. Donc, pour pouvoir demander l'excellence, il faut être soi-même dans l'excellence. Et en tout cas, moi, je salue ton travail. Je te remercie infiniment de l'enquête que tu as faite, de mettre tout à disposition gratuitement pour que les gens puissent s'informer. Et aussi, voilà, je te remercie pour avoir aussi pris contact avec moi et pour pouvoir exposer tout ça dans aussi un panel un peu plus large. Et voilà, donc j'invite les gens aussi à aller regarder son livre, à aller s'intéresser à son enquête, et puis laisser des commentaires. On aimerait bien voir vos retours là-dessus, parce que justement, y a vraiment aucun intérêt à ce que Paul mette justement ses 30 ans d'exemplarité, les balayer d'un revers de main comme ça. J'en vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt qu'il a de parler d'un sujet tabou. Il aurait pu dire, OK, les photos, je les mets de côté et puis je les passerai à quelqu'un qui les voudra, il fera l'enquête lui-même et j'arrête là. De toute façon, moi, c'est pas ma compétence et puis ça va à la poubelle. Et puis, on n'aurait jamais rien su de tout ça. Donc, quelque part, aussi ta conscience professionnelle a fait que tu t'es intéressé aussi à ce milieu-là qui n'était pas ton milieu naturel, mais qui fait partie finalement de ta carrière. Et ça, je t'en remercie d'avoir passé, d'avoir communiqué là-dessus. Parce que si tu ne l'avais pas fait, personne ne l'aurait fait. Voilà. Exactement. Je suis choyé tout d'avoir des gens comme toi, ou les enquêteurs, les chercheurs, surtout les scientifiques, qui peuvent switcher, là, puis dire, C'est ça, écoutez, là, c'est. il faut qu'on y va, il faut qu'on sacrifie. J'ai sacrifié, je me suis sacrifié. Y a des scientifiques, on peut pas dire qu'il y a aucun scientifique, il y a des scientifiques qui s'intéressent. Regarde Jimmy Blanchett, je pense à Jimmy Ah oui, Blanchett qui s'intéresse à tout ça, Jean-Pierre Petit, qui est du côté de la France, qui a découvert la MHD, qui nous partage ça aussi tout gratuitement. Mais qui, on va dire, le dogme, le mainstream scientifique, le courant, le gros courant scientifique principal, pareil, se moque d'eux, les dénigre, parce qu'ils veulent pas que ça sorte. Et pourtant, c'est des choses qui fonctionnent. Et voilà, donc, moi, j'aime à c'est comme quand on parlait tout à l'heure du bien et du mauvais. Du bien et du mal.
de la lumière, de l'obscurité, tout ça. Donc, il y en a qui œuvrent et qui malheureusement n'ont pas assez de lumière. Voilà. Je pense aussi à Jean-Jacques Charbonnier, je pense à tous ces gens-là là, qui ont du courage, qui ont mis leurs études, leurs compétences, leurs diplômes en jeu pour pouvoir ouvrir un peu plus les consciences des personnes. Voilà. Je suis vraiment d'accord, Kevin. C'est moi, de ma mentalité, c'est que meilleur humain, meilleur demain. Crois qu'on va finir là-dessus parce que c'est une magnifique phrase. Donc maintenant, le temps est venu, les amis, de vous montrer ces photos. Donc j'ai analysé les trois. C'est ma propre interprétation, mon humble avis, mon humble expertise. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous présente les points que j'ai relevés. Maintenant, libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Maintenant, voilà, on est honnête avec ça. J'ai fait cette expertise et voilà, le temps est venu de vous montrer ces photos. Donc, attention les yeux, attention au mental. Parce que c'est sûr que il va prendre le dessus. Donc, petite vidéo pour la présentation du logiciel Forensically. Je vais vous présenter comment détecter. Donc là, c'est une photo test qu'on appelle pour détecter si la photo est fake, voir les rajouts, voir comment fonctionne le logiciel, pour ensuite, par la suite, vous présenter les trois photos et pour avoir une référence. Donc le premier sert à magnifier, comme il y a marqué, c'est-à-dire avec la loupe, voir s'il y a des points de défaut, commencer à les repérer. Donc là, on voit déjà à l'œil nu qu'il y a un carré qui est ajouté et on voit l'angle du carré dans la loupe. On voit aussi l'objet du parachute. Il y a un carré qui a été rajouté, pixelisé par-dessus. Et tout ça va mettre en évidence avec la détection de clones. Donc il est en train d'analyser la détection de clones. Voilà. Donc là, on voit des possibles copier-coller. Les nuages semblent être copier-coller puis inversés. C'est des points similaires dans les nuages qui semblent reconnaître, comme s'il y avait des choses copier-coller qui se ressemblent. Donc les nuages semblent, on va dire, multiplié dans la photo. Ensuite, erreur. Voilà. Donc là, on voit que le reflet bleu, on voit qu'effectivement, ça a été un objet qui a été rajouté par-dessus la photo originale. Et puis, on voit que c'est une image de synthèse et même l'ombre semble être rajouté. On détecte encore le carré sur le parachute qui a été bien collé. Ici, on arrive à détecter aussi qu'il y a un carré, donc il n'y a rien de naturel, rien d'original. Ensuite, on analyse le bruit. Le bruit, pareil, on détecte le bleu. Donc là, on voit très bien que ça a été rajouté clairement, sinon ça ne serait pas bleu comme ça. Ça ferait partie de l'image, un peu comme les nuages ou la ville, ça serait blanc. Blanc, noir, et là on voit aussi, voilà, le carré qui a été rajouté, et le parapente, le parachute, qui a été aussi rajouté. Voilà. Ensuite, on passe au niveau level sweep. Là, on voit bien, en jouant avec les nuances, qu'effectivement, il y a un carré. Donc ça confirme encore une fois l'autre passage de sécurité, que il y a un carré. En jouant avec la roulette de la souris, on arrive à éclaircir les contrastes.
Là, on voit très bien que ce nuage-là est le même que celui de gauche. Donc, on voit bien qu'il y a eu des copier-coller de faits, comme celui-ci avec celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer, avoir une vidéo témoin et vous montrer la différence avec les trois photos que je vais vous présenter par la suite. Là, on va étudier la photo en noir et blanc de la soucoupe volante. Donc on ajoute la photo. Elle est là. Donc là, toujours pareil. On voit la photo qui est cornée sur les angles. Ici. Ici. Et on voit du noir et blanc avec un individu ici. La silhouette d'un individu et le toit d'une maison qui est typique de celle de l'Amérique du Nord. Donc déjà, premier point. Second point, on va jouer avec... Donc là, juste pour voir comme ça, déjà on a une idée. Donc là, on pourrait sembler voir une sorte d'antenne. On la reverra mieux, je pense, à travers les images. Et déjà, ce qui me pose question, c'est que dans cette photo, à l'œil nu, en tout cas, on voit pas. En particulier, on voit comme une silhouette gris foncé avec une antenne. Mais on peut remarquer un détail, c'est qu'il semble avoir quelque chose au centre. Ça, c'est le premier point. Ce qui fait... Voilà. Ensuite, on va passer... de clone. Donc la détection de clone. Comme c'est une photo qui a été cornée en plus, c'est pas tellement fiable. Mais niveau d'erreur, oui, par contre. Là, on voit que normalement, l'erreur, c'est qu'on devrait voir des points lumineux sur... Ça devrait détecter des points lumineux si la photo, s'il y avait un collage, par exemple, dans la photo. C'est-à-dire que on devrait voir des points lumineux si jamais ça va être un collage. Or là, on n'en voit pas le point lumineux. Et encore une fois, l'objet fait partie intégrante de la photo. On va analyser maintenant le bruit de la vidéo, de la photo. Ça détermine les contours. Rien qui se démarque. Il y a quelque chose de matériel, encore une fois, en face de nous. Quelque chose de dur dans la matière. Évidemment, c'est encore une fois mon simple avis. Donc, j'essaie d'étudier ça le plus honnêtement possible, d'analyser ça le plus honnêtement possible. Donc là, on peut observer l'angle du mur et la soucoupe. Donc maintenant, on va passer au niveau noir et blanc. Et là, on va jouer avec les contrastes. Donc là, on voit bien, en éclaircissant un maximum, qu'il y a bien une personne ici de dos avec son oreille, l'arrière de son crâne qui fixe l'objet et l'épaule droite, la nuque, l'épaule gauche.
une barrière. Et ça doit être l'ombre d'une pierre ou d'une fenêtre, peut-être, je sais pas. Bref. Donc là, c'est ça qui m'a un peu alerté dans la photo. C'est cette partie-là qui est détectée au milieu, là. Alors, on dirait que c'est transparent. C'est comme si vous voulez, lors des interrogatoires de la police, une vitre sans teint. Eh ben, on dirait que d'aspect extérieur, on voit pas l'intérieur, mais eux voient de par l'intérieur. Donc là, on voit quand même quelque chose, comme si il y avait quelque chose au milieu. Et là, c'est curieux parce qu'on voit quelque chose. Alors, je sais pas si c'est la photo qui fait ça. Je sais pas si c'est une fenêtre avec une entité qui regarde. Mais en tout cas, elle est de la même forme. Vous verrez par la suite qu'elle est la même forme que les autres photos par la suite. Donc, les témoins avaient parlé à Paul Bédard qu'il y avait comme des antennes dessus. Et là, il y en a une antenne. Il y en avait une. Tout à l'heure, on la voyait, l'antenne. Mais là, ce qui m'interpelle, là, c'est ce carré-là. On dirait qu'il y a quelque chose comme une fenêtre, mais qu'on détecte pas à l'œil nu, en tout cas. On regarde la photo du premier abord, si on la retravaille pas. Donc là, on dirait qu'il y a quelque chose. Un carré, quelque chose. Et en plus, ça paraît quand même parfaitement au centre de la soucoupe. Donc, est-ce que c'est une fenêtre, un hublot? Voilà. Tour et de la personne et de la soucoupe. Donc, comme les deux sont matériels, sont dans la matière, on voit les formes qui se dessinent, ce qui est logique. Donc là, en analysant différents filtres. On voit encore ce carré. Ouais, on voit encore ce carré avec comme une entité dedans. Particulier quand même. Très particulier. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette photo. Donc, on détecte quelque chose au centre, comme un cockpit, et il semble avoir une entité, enfin, en tout cas, comme s'il y avait une silhouette dans cette fenêtre. Ça semble carré, un hublot carré. C'est ça qui est particulier. Fait partie intégrante de la soucoupe volante. Hein. Et donc là, on peut bien voir l'antenne. Et il y aurait d'autres antennes. Alors, je sais pas. Plusieurs témoins parlent de 3 antennes. Mais il y en a une là qui, on n'en voit qu'une. Donc, je sais pas si après les autres sont altérés par la qualité de l'image. Mais, admettons, si ça avait été un montage qui est tenu par un fil. Le fil, à aucun moment avec les filtres, on le voit. En retravaillant, on pourrait voir comme un fil, comme quelque chose de fil de pêche ou quelque chose comme ça, on le verrait. Mais là, on voit rien de tout ça. Donc, encore une fois, mon humble avis, la photo semble authentique. Donc, l'objet était apparemment stationnaire et a été pris sur le vif par un appareil photo jetable de type Kodak. Voilà pour l'analyse de la première photo. La tête, en tout cas, la personne aussi, ce qui est de dos et semble observer et dans la trajectoire complètement de l'objet volant. Donc, il y a bien quelque chose. La photo est bien authentique.
et il y a bien un objet matériel dans le ciel. Passons maintenant à la suivante. Maintenant, nous allons passer à la deuxième photo. Une photo qui, certes, a été prise à travers un pare-brise, mais vaut commun vaut quand même le pesant de son trésor. Donc, toujours pareil, magnifié. Oh, là, on peut observer quelque chose de plus sombre que la soucoupe. On peut observer légèrement une antenne. Et quelque chose de plus sombre sur le dessus, donc comme un cockpit dont on ignore la matière, on peut pas se prononcer là-dessus. Un cockpit, en tout cas, qui semble opaque, transparent. Et je sais pas si c'est un effet de pixelisation ou si on voit également la tête d'une entité présente au centre du cockpit. On observe la qualité d'image. Regardez les angles de la photo, toujours en 89, hein. Ils sont abîmés. La photo est jaunie. Et on voit que peut-être on a la personne qui a pris la photo, en tout cas, a de grosses amitiés. Donc là, les coquelicots représentent les vétérans et l'armée, les forces canadiennes. En France, c'est le bleuet, l'équivalent. Voilà. Donc c'est une reconnaissance pour nos morts. Donc là, nous avons le rétroviseur et nous avons cette soucoupe. Donc on va analyser les clones. Même processus. Donc c'est pris à travers, évidemment, un pare-brise, un ancien pare-brise, dans une voiture d'époque. On analyse l'erreur. Voilà l'erreur. Donc là, on voit très bien que, encore une fois, il n'y a aucune démarcation de l'erreur de la photo. Donc encore une fois, voilà. C'est au même titre que les coquelicots en référence. La soucoupe, c'est le même effet. Donc ça fait partie intégrante de la photo pour moi. Mais ça fait partie intégrante de la photo. On va analyser le bruit. Là, on voit bien la matière. Là, ce qui en voit en bleu, c'est le filtre solaire de l'image. Enfin, le filtre solaire, c'est pour éviter. Il y avait ça dans les anciens pare-brises. À l'époque, il remplaçait un peu les lunettes de soleil, donc ça filtrait, voilà, les rayons du soleil. Mais comme on a travers un pare-brise, je pense que l'effet du pare-brise aussi fait détecter des rayons bleus sur la photo. C'est pour ça qu'il y a des rayons bleus et de la couleur. Donc évidemment, on voit que ça, la soucoupe devrait faire pratiquement le même effet que les coquelicots en haut. Mais là, on voit que évidemment, les coquelicots n'ont pas été rajoutés. Maintenant, on va jouer avec la lumière. Voilà, les contrastes. Donc, on peut distinguer la silhouette quand on met les contrastes au maximum. Et là, on va éclaircir afin de voir l'image.
et la silhouette de la photo. Donc, on voit, elle est toujours ce cockpit noir. Et on dirait au centre la tête, deux têtes. Mais ça, c'est toute réserve, on peut rien affirmer. Mais c'est quand même curieux. Et puis on voit la photo qui se profile de l'OVNI, mais il y a l'air d'avoir quand même quelque chose sur le dessus. Il y a quelque chose. En tout cas, on peut observer que le rayon de soleil, le soleil, viendrait de la droite. Arrière droit, je dirais. Et c'est pour ça que, admettons, si c'est un visage, qu'on voit plus la partie droite du visage que de la partie gauche qui est un peu plus dans l'ombre. Et ça correspond, en tout cas, c'est cohérent avec la lumière, elle m'a l'air cohérente avec enfin, l'effet des lumières a l'air cohérent sur toute la photo. Donc, on va éclaircir, là on voit mieux le pare-soleil avec les deux coquelicots rouges, les détails. Et là, on voit le dessus de la tête du témoin qui prend en photo. Pas l'appareil photo, mais on voit la tête. Dessus de la tête du témoin, les deux sourcils ici, qui doit prendre en photo la soucoupe. C'est quand même particulier, mais je vois aucun collage sur la photo présente, aucune trace qui pourrait dire que la soucoupe a été rajoutée. Donc pour moi, ça fait encore une fois partie de la soucoupe fait partie encore une fois de la photo. Au niveau de la linéaire, donc on voit toujours ça et on accentue, on voit tout ça là, tout le, c'est les plis de la photo avec les reliefs, tous les petits traits qui sont présents sur le dessus et il y a l'air d'avoir une petite antenne ici. En noir et blanc, ça donne quoi? Ça donne que si on inverse la photo, la couleur comme un négatif. Ça donne ça. Mais moi, je vois pas de collage, en tout cas pour l'époque. On va sur l'opacité de la photo. Les métadonnées, on ne trouve pas, c'est normal, c'est une photocopie. Donc, c'est pas une photo numérique. Donc, voilà. Encore une fois, en toute honnêteté et objectivité sur ce que je vois sur cette photo, semble authentique. Un autre fait qu'on voit ici, c'est que en même temps qu'on voit le dessus de la tête, on voit aussi les lunettes de soleil de la personne. On voit les, voilà, les deux lunettes de soleil du témoin qui prend en photo
Alors, on voit qu'un œil. Ce qui pourrait faire penser que, comme à l'époque, on prenait une photo, pas au jugé, on prenait une photo en mettant l'œil dans l'œilleton. Il se pourrait que ça, sur la gauche, donc son œil droit à lui, vu que c'est retourné dans le miroir, ça serait l'appareil photo. Donc en fait, voilà, le visage est là en fait du témoin avec une lune de soleil. Et en même temps, comme c'est une image, le miroir avec le reflet et tout ça, je sais pas s'il y a un flash par contre. En tout cas, on voit le dessus du crâne et en même temps le visage. Donc ça, c'est bien preuve que c'est pas une photo truquée. Voilà. Mais après, ça, c'est en toute objectivité. On voit le dessus du crâne avec le front, les cheveux, et en même temps, le visage est reflété en même temps ici. Ce qui arrive parfois sur les rétroviseurs avec le reflet et tout ça. Et derrière, je ne sais pas si en même temps, vu qu'il a l'air surpris, peut-être qu'il freine. Donc du coup, on voit le frein arrière qui se reflète dans le rétroviseur. Donc, il est la pied sur le frein en même temps qu'il prend la photo. Donc, ça pourrait correspondre avec l'émotion du moment. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est ça que j'ai vu par la suite. C'est qu'en éclaircissant, on voit que le... Ça a été pris avec un flash, en fait. On voit le point lumineux là. Pour moi, c'est le flash de l'appareil photo qui reflète dans le rétroviseur. Pour moi, ça serait le flash de l'appareil. Donc là, encore une fois, on voit bien le nez, un verre de la lunette et le verre droit du témoin. Et obstrué, sans doute, par l'appareil photo, mais que là, on a du mal à distinguer. Donc maintenant, on va passer à l'examen de l'analyse de la photo du petit gris avec la grosse soucoupe. Donc là, on peut observer le petit gris, le rayon tracteur. Regardez s'il y a une détection de clones. Cours de recherche. Ça cherche. Ok. Donc ça, c'est dû à la photocopie. Donc on peut observer en attendant le bord de la photo qui est abîmé par le temps. La photo aussi qui a jauni. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle date de 1989. Et que oui, Photoshop existait à partir de 88, mais n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, on va analyser le niveau d'erreur. Voilà, on voit très bien que la soucoupe fait partie. Ça ne détecte aucune erreur. C'est-à-dire que la soucoupe fait partie intégrante de l'image. Son histogramme. Voilà.
Il détecte aucune erreur. Voilà. Il détecte aucune erreur. Donc. Ou fait partie d'une même photo. Donc il y a plusieurs points que je voulais analyser le bruit. Voilà. Donc la soucoupe. Là aussi on voit que dans le bruit de l'image, elle fait partie intégrante de la photo. Que ça n'a pas été rajouté, ni l'entité qui est là. Qu'on voit bien. Donc maintenant, un autre point qui est important, au niveau du balayage de niveau. Voilà. Donc, on va analyser les ombres. Les ombres qui sont là. Donc, il y a cette ombre-ci. Et l'ombre d'un arbre qui est couché là. Et ce qui m'intéresse, c'est cette ombre ici. Donc on pourrait penser que c'est l'ombre du faisceau, du rayon tracteur, de la concentration du faisceau lumineux, ainsi que peut-être le dessous d'une partie de la soucoupe. On peut observer aussi en jouant avec les contrastes que la lumière vient de trois quarts vers la droite, correspond avec le reflet sur le crâne de l'entité et les reflets sur la soucoupe, avec la direction des ombres du bas, la direction des ombres sur le bas et la direction des ombres de la droite vers la gauche. Ensuite, il y a un autre point qui m'a alerté sur cette photo, c'est, vous allez voir, en éclaircissant, la magie va opérer, et là, ici. On observe le reflet de la tête de l'entité. Si on joue aussi avec les reflets, avec les contrastes, on peut observer que ici, on voit le reflet du trépied qui est ici. Le pied de la soucoupe. Je dis trépied, mais c'est le pied de la soucoupe. Donc, en jouant avec les contrastes, on voit bien que ce pied-là se reflète là. Donc, si la tête est ici et que le pied est là, on pourra en déduire que le dessous de la soucoupe se reflète ici. Et on peut observer aussi, par la même occasion, un arrondi. Voilà, on voit bien là le pied de la soucoupe ici, là. Donc, tout porte à croire que, en restant objectif et honnête, que même si, admettons, ce n'est pas une vraie entité et c'est quelque chose. En tout cas, on peut pas enlever que comme il y a un effet miroir, on peut pas enlever le fait qu'il y a quelque chose de matériel réellement qui se reflète dans le capot de la voiture. Et oublions pas qu'il était très dur de reproduire l'effet, en plus déformé. On voit bien que c'est déformé. C'est pas net, le reflet de la tête. Donc on peut voir et on peut observer qu'à l'époque, en 1988-89, la photo date du 27 octobre 1989, le Photoshop, on ne pouvait pas truquer les images autant que maintenant. Donc voilà, c'est ce qui me laisse penser que cette photo est authentique. Maintenant, si on joue sur, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le faisceau lumineux de la soucoupe volante. Donc, si nous
Jouons avec les contrastes. Du très clair au très foncé. On voit la densité du rayon et les différents rayons et les différents, l'opacité de la lumière du rayon. Enfin, moi, je baisse un rayon de tracteur parce que pour moi, c'est avec ça qu'il remonte dans la soucoupe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a expliqué Paul Bédard. Quand le petit gris a été oublié sur le perron d'une des maisons, il a été aspiré par ce même rayon tracteur-là. Donc, quand vous voyez, quand on joue avec les contrastes, on arrive à observer, et puis en plus, on voit à travers, ça se passe à travers, donc c'est pas rajouté sur la photo, ça. Donc, on peut voir la qualité du rayon. Voilà. Sur la photo. On peut observer aussi que au-dessus semble comme une différenciation sur la soucoupe volante. Donc là, on pourrait apercevoir comme le cockpit qui pourrait être en verre, qui pourrait être en n'importe quelle matière transparente, peut-être une matière que nous n'avons pas encore, une technologie que nous n'avons pas encore. Mais en tout cas, il y a une, comme ici, j'appellerais ça aussi une bulle, un cockpit, comme dans les avions de chasse. Là, on peut compter des lumières circulaires. Une, deux, trois, quatre, et une cinquième ici. Si la soucoupe est de forme discoïdale, ce qu'on pourrait penser, il y aurait les mêmes lumières derrière. Voilà. Donc, c'est tout ça qui me fait penser que, voilà, que cette image, tous ces détails-là, qui me posent vraiment, vraiment, vraiment question, que c'est un casse-tête. Alors, pour certains, oui, ça pourrait leur sembler fake et rajouté, mais il y a quand même certaines choses qu'il va falloir qu'on m'explique, que des experts m'expliquent. Voilà, donc, les méthodes données, elles s'affichent pas, c'est normal. Voilà. On fait le zoom. Il faut pas oublier que c'est une photocopie de la photo originale. Donc c'est normal que l'on peut voir les plis qui forment après des grands rectangles. C'est la pliure de la photo. Et puis, de toute façon, je l'ai zoomé. Donc, ça pixelise aussi beaucoup. Ça détériore la qualité de l'image. Mais on peut voir la forme de l'entité. On peut voir aussi l'ombre qui correspond aussi par la même occasion à la position du bras ici. Et au niveau de la végétation aussi, il faut pas oublier qu'on est en octobre, et au Canada le 27 octobre les arbres sont dénués de feuilles. Voilà. Paul, je te remercie encore infiniment. Merci pour ton service. Merci pour ton passage sur ma chaîne. J'en suis très honoré. Et je voudrais vous dire à tous, seul on va vite. Mais comme j'aime bien dire, ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci
de laisser des commentaires, de faire des partages, parce que c'est important pour que les gens prennent conscience de ce phénomène et aussi de l'histoire de Paul qui a mis toute son énergie en toutes ces années et toute son âme dedans. Voilà. Donc merci pour lui. On se revoit bientôt et bonne journée à vous.